Salut à tous, bienvenue dans le Club des 5, on est très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir pour parler de football européen. On va parler un peu de Ligue 1, on va parler un peu de Première Ligue, il y a le Paris Saint-Germain, il y a la défaite d'Arsenal, il y a des choses à débriefer ce soir avec mon plateau du soir, Walid Acharchour. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va super, on est 50K. Eh, on est 50 000, tu m'as demandé pour le dire. Commencer par ça. Mais je voulais présenter le club des 50K, c'est pas le club des 5 tout le monde. Je voulais présenter tout le monde avant. C'est costaud, moi je suis ému, ouais. Sincèrement, j'ai mal, hein. Je te sens un peu sonné. Ah ouais, non, mais c'est 50 000 abonnés. 50 000 abonnés, c'est costaud. Merci à tous. J'y reviendrai dans deux c'est, secondes. C'est fort. Dans deux c'est secondes, mais c'est vrai qu'on a dépassé la barrière des 50 000 abonnés sur YouTube. C'est quand même plutôt pas mal. Anthony Texera ? Comment ça va, Romain? Ça va très bien, et toi? Bah, ça va très très bien aussi, comme l'a dit Walid, on peut être que heureux hein, ce soir. Et ouais. 50K, on part de rien. Et aujourd'hui, et ouais. C'est vrai qu'on part de pas grand chose. Hein, bah, bah, je suis facile, on part de zéro. C'est pour ça. Ce qui est bien quand tu commences une chaîne YouTube, c'est que tu peux que monter. Ah, bah, ça, c'est ouais, dur de. Non, mais tu peux arriver avec un petit matelas à la base. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est qu'à la base, on était tous, je pense, des inconnus. Et voilà, on a réussi à monter. Bon, quand même, on est toujours des inconnus. À part le monsieur là-bas là, qui est dans notre sphère que nous maintenant, mais sinon à un moment donné, il faut en parler. non mais Romain était déjà connu avant le club des 5. Oui, c'est moi. C'est vrai que sa tête était déjà à part ma grand-mère, je vois pas. Il était déjà présentateur en faux sport. Non, mais pas en plus, c'est venu après. Ah, c'est grâce au club des 5 alors. Non, je ne pense pas non plus. Je finis de présenter tout le monde, on en parle après. Axel Marek. Bonsoir. Bon, mais tu hésites à dire. Tout ce plateau, donc, tu es petit. Oui, parce que tu es dans les petits papiers. Tu es dans les petits papiers. Exactement. Plus dans l'habitude, c'est l'envers du décor. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Axel, on a 50K ce soir, mais il a toujours autant de mal avec les bons soirs. celui-là, vous le refaites. Lui, il n'est pas heureux. On débat de maîtrise. Hein. La difficulté de l'ingénieur son, du réalisateur qu'on a tous les soirs. Il doit monter le micro d'Axel, puis le baisser par rapport aux autres. Mais pourtant, dans les débats, il monte dans les tours. Mais le bon soir, ça fait au moins 200 émissions. C'est parce que vous êtes des gars de la télé. Moi, je le suis pas. Je maîtrise pas tout ce qui est pas football. J'arrive pas. C'est tout. Il a toujours du mal. Il se met une pression. Complètement. Bonsoir à vous les socios, bonsoir à vous, merci, un grand merci. On est 50 000 sur cette chaîne du Club des 5, il y en a déjà pas mal qui nous félicitent sur le chat. Merci à vous d'être aussi présents et de nous envoyer autant de bonnes vibes, de force, etc. Merci à vous, on nous dit road to les 100K, bah oui, pourquoi pas, c'est la prochaine étape. Merci à vous, on est comme Walid l'a dit, on est parti de zéro et tout doucement, on est monté, on est à 50 000 aujourd'hui, quoi. Qui sait demain à combien on sera. Vous pouvez avoir le réflexe pour les 50 000, vous nous balancez des petits pouces bleus, c'est important, je vais pas en demander 50 000 puisque ça sert à rien, je les aurai pas, mais vous pouvez nous mettre des petits likes, c'est important pour que ces 50 000 se transforment en bien plus, et ça serait grâce à vous. Pour ceux qui nous découvrent, parce qu'on est 50 000, mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ne nous reconnaît pas non plus. Vous pouvez vous abonner à la chaîne du Club des 5, c'est juste en dessous. Vous abonnez et vous activez les notifications avec la petite cloche, et puis vous allez nous suivre un peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et il y a même le code promo CD5 pour Winamax. On est combien d'abonnés? On est 50 000. On est 50 000. Va falloir quand même prendre au sérieux cette petite émission qui se lance quand même. À un moment donné, ça commence un petit peu. Humilité, ça commence etc. À donner les amendes, mais pas les chiffres. Voilà. Non, mais à un moment donné, il va falloir peut-être prendre un petit peu au sérieux ce qui se passe dans cette émission. C'est-à-dire qu'il y a quand même une communauté qui se crée, qui est quand même intéressante. Voilà, c'est. Et le groupe vit bien. Voilà, le groupe vit bien. C'est pas mal. Ça pour le groupe vit bien. Le groupe vit trop, mais trop parfois. C'est un peu notre problème. Le programme du soir, les socios, parce qu'on nous demande si on parlera d'Arsenal. Oui, on en parlera. Alors, on va commencer par la Ligue 1, avec le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Hier, la victoire 2-0 du Paris Saint-Germain, c'était pas glorieux, c'était pas extraordinaire. Il y a eu un éclair de Mbappé, il y a eu un pénalty de Neymar, mais sinon, sorti de ça, il reste pas grand-chose. Du coup, on va pouvoir faire un débat sur un joueur qui a joué très peu de temps hier, c'est Edinson Cavani. Est-ce qu'il y a un malaise Cavani au Paris Saint-Germain? Comment doit-il être utilisé ou pas par
par Thomas Tuchel, on pourra faire un petit débat sur les maintenant les sept derniers mois du contrat d'Edinson Cavani. Est-ce qu'il prolongera, est-ce qu'il partira, de quelle manière, quand, on pourra se poser toutes ces questions. Puis on parlera du match du soir, la défaite d'Arsenal, une nouvelle défaite d'Arsenal, cette fois c'est à l'Emirates Stadium contre Brighton, une défaite 2-1. C'est l'état d'urgence déjà pour Freddy Ljungberg, toujours pour Arsenal. On va pouvoir parler de la situation du Suédois, savoir si c'est véritablement cas d'intérimaire et il faut absolument trouver un coach très vite, ou si vous commencez à avoir des petites choses qu'on pourra garder et que Freddy Ljungberg pourra peut-être continuer de mettre en place jusqu'à la fin du Boxing Day et ensuite la fin de la saison. Sur le chat, on me dit 63 qui regardent, 12 likes, c'est pas sérieux, ça c'était au tout début de l'émission, maintenant on a un peu plus, il y a que 26 likes, c'est vrai. Balancez-nous des pouces bleus, c'est important, on a besoin de vous. Et puis fêtez avec nous ces 50 000 abonnés. On commence par le match d'hier qu'on va débriefer, c'est la victoire du Paris Saint-Germain face à Nantes, 2-0, un but de Kylian Mbappé, une petite inspiration, une petite magère, un but de Neymar sur penalty à la 85e, 2-0. Paris qui n'est pas véritablement inquiété du match, il y a un arrêt de Navas qui est assez déterminant, mais sinon c'est quand même assez faible en face, et puis Paris qui s'impose, mais on s'emmerde, mais c'est un peu ça le mot, si je vulgarise, c'est un peu ça le mot, s'emmerde. Ça a été très très compliqué, le PSG a joué 15 minutes de la 45e jusqu'à la 55e, 57e, ça a suffi pour gagner ce match-là parce que la Ligue 1 est très très faible, et derrière ils ont laissé l'initiative du ballon à Nantes. La première mi-temps a été très très insuffisante dans les intentions, dans la qualité technique. Je crois que c'est le record de ballons perdus par le Paris Saint-Germain depuis très très longtemps. 73 ballons perdus, ouais, sinon c'est depuis le match contre 3 en 2010. 73 ballons, t'es sûr ? 77, bon, 77. Ouais, okay. Ouais. Mais, alors c'était 77 ballons perdus contre 3 en 2018, voilà, c'est ça. Et là c'était hier 73 en première mi-temps. Et donc ça c'est... traduit dans la qualité intrinsèque et dans la qualité collective du Paris Saint-Germain hier soir, qui a été très très insuffisant dans son standing. On a vu certains joueurs, notamment un double pivot Marquinhos-Gueye qui n'a pas du tout fonctionné. Gueye, à un moment donné, il va falloir en parler, mais ça fait depuis son retour de blessure qu'il enchaîne les mauvaises performances et il a vraiment du mal. Il y a peut-être le moins mauvais de la rencontre, c'est peut-être Draxler qui a essayé... moi j'ai trouvé que c'était le moins mauvais, le plus mobile, notamment sur la première mi-temps, même si c'était pas extraordinaire. Derrière on a eu un Neymar qui a joué en marchant, un Di Maria qui a eu du mal à se trouver. Ils ont réussi à être extraordinaires sur une occasion. Ah, c'est sur le but d'Mbappé où Neymar fait le décalage, Di Maria donne un ballon de but extraordinaire à Mbappé sur un extérieur du pied qu'il nous a inventé. Et puis derrière cette magère d'Mbappé, je ne sais pas si on peut l'appeler une magère, une talonnade, parce qu'il y en a beaucoup qui disent non mais la magère c'est pas comme ça. Faut qu'elle... Oui, bon, voilà. En tout cas un très très beau but, et puis derrière plus rien, il y a eu la grosse occasion de Cavani, le pénalty de Neymar, mais un petit Paris Saint-Germain et ça commence à faire... moi j'ai beaucoup défendu Tourelle, j'ai beaucoup défendu le PSG parce que j'ai trouvé qu'il y avait eu un bloc de matchs avec Marseille, Bordeaux, Lyon, Galatasaray, Bruges à l'extérieur où ça avait été plutôt intéressant. En tout cas on avait vu même Nice pendant 30-40 minutes du beau football. Là ça commence à faire une durée où c'est vraiment compliqué. Le match contre Lille notamment, avant le match du Real Madrid, ça avait été la même chose. Donc il va falloir vraiment que Tourelle remédie à ça. Axel, alors je vais juste te demander de faire attention, parce que quand tu te penches sur le côté, parfois tu bloques la caméra qui fait qu'on voit Wally. Donc voilà. Ces matchs-là du Paris Saint-Germain, on a l'impression qu'on les avait vus les dernières saisons sur les fins de saison, les matchs où le PSG... était déjà un peu en fauteuil, n'avait pas une grande attention pour ces matchs-là, et on s'emmerdait un petit peu, et ça a gagné sur un exploit individuel. Cette année, on a l'impression que c'est toute la saison que ça a été comme ça. Je ne vois pas pourquoi ça changerait par rapport à la fin de l'année dernière, vu qu'on sait que le mal de ce club et ce qui gangrène ce club, c'est la Ligue des Champions et les prestations de Ligue des Champions. Tant que tu ne peux pas racheter ta dette par rapport à l'année dernière et ce qui s'est passé contre Manchester, forcément, tu as vu à quel point c'était facile pour toi la Ligue 1. Comme l'a dit Wally, tu joues 15 minutes, tu gagnes le match. Tu es d'une arrogance folle. Tu sais en même temps que pour racheter un peu ta dette, tu vas devoir être bon en 8e ou en quart Ligue des Champions. Ils savent aussi que d'un côté, on se fait chier sur un match contre Nantes, mais d'un autre côté, ils auraient pu mettre 5-0 hier. Je ne sais pas si les avis auraient changé non plus.
C'est à peu près le juste minimum que de se donner à fond et de faire bonne figure dans des matchs à domicile en pleine semaine, un mercredi soir où il y a quand même pas mal de gens qui viennent te voir jouer. Au final, tu joues 15 minutes. Bon. T'as intérêt à être bon en Ligue des Champions en février parce que bah c'était pas bon ça, la saison, c'est vraiment une catastrophe. Autant les années précédentes, on pouvait se dire que le Paris Saint-Germain arrivait à avoir quelques performances en championnat qui fait qu'on pouvait se douter qu'en Ligue des Champions, cette année, on a eu des matchs en Ligue des Champions qui ont été satisfaisants. Parce que j'avais trois fois. Si tu regardes bien avec Emery, t'as la première fois, donc ils sont forcément bons parce qu'ils se disent on va faire une bonne année. Au final, il arrive le Barça, directement, t'es moins bon derrière. Après, tu te rachètes parce que là, tu as vraiment envie de te racheter, donc tu es bon toute la saison. Hop, le Real. Nouveau coach, Tuchel. Tu as envie que ça parte. On nous parlait de la bonne ambiance, bon esprit, etc. Pareil, tu te fais éliminer contre Manchester derrière, plus rien. Mais là, tu n'en peux plus. Il y a la moitié qui n'en peut plus. Le public, il n'en peut plus non plus. Il y a un moment, il va falloir se racheter en février. Moi, hier, Mbappé qui met une virgule, mais qui marche tout le match. Neymar qui fait mauvais choix sur mauvais choix. C'est-à-dire que même au début d'année, quand on ne l'aimait pas ou quand il n'était pas bon, au moins, il y avait un truc qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il marchait sur le match. Hier, même pas. Hier, il perdait un contre un facile contre des défenseurs nantais. Ils font passer des joueurs de Nantes assez, on va dire, ouais, des joueurs quelconques ou corrects de championnat de Ligue 1 pour des bons joueurs, tellement il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'agressivité, il y a de l'arrogance, et ça se retrouve même jusqu'à Tuchel. C'est-à-dire que Tuchel, sur le début de saison, vous êtes quand même assez dur. Non. C'est-à-dire on se fait pas sur les, le début sur de les, saison. Le dernier en mois. Championnat, en non, Ligue 1 ah bah sur, en, sur, en, à moi, en championnat, personnellement, je ne sais pas quand tu t'es amusé à part contre l'Olympique de Marseille. J'ai envie que tu me donnes. Donne-moi. Il y a des matchs, en fait, il y a des matchs où tu as pris du plaisir. Le Real, l'Olympique de Marseille. Nice, Bordeaux, Lyon. Mais encore une fois, attention, soit vous essayez de regarder ça en mode spectateur, en mode supporter. Non, je regarde ça par rapport à l'année dernière, Walid. Par rapport au début de saison dernière, l'année dernière, ce que j'ai prouvé en regardant le PSG, avant la défaite contre Manchester, et là, l'année dernière, ce qui a fait 14 victoires d'affilée avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1, mais c'est des résultats. C'est-à-dire qu'il y a dans le contenu, c'est meilleur aussi. Dans le contenu, c'est meilleur, mais moi, je suis désolé. Si on doit vraiment gratouiller dans le contenu des matchs en Ligue 1, moi, je vais essayer d'être un peu plus nuancé que vous. Depuis Marseille, c'est horrible. Bah voilà, d'accord. Non, mais d'accord. Depuis Marseille, moi, c'est horrible. Depuis un mois et demi. Mais vous avez comme. Romain a commencé en disant on s'éclate jamais en Ligue 1. Je veux bien, mais après, je vais donner l'avis de me demander l'avis d'Anthony. Mais tu dis depuis Marseille, oui, c'est encore plus exacerbé depuis Marseille. Le mois d'août, il n'est pas bon non plus. Si on regarde le match contre Bordeaux, tu dis, mais sans la rentrée. Match contre Dijon. T'as pas trois matchs où tu t'amuses d'affilée. Brest. Match de Dijon et Brest, c'est après Marseille. Mais en tout cas, il y a un bloc de matchs où le match contre Bordeaux, pour moi, en tant qu'équipe, tu n'as pas de numéro 9 pendant 60 minutes, notamment avec la blessure de Choupo-Moting, la blessure d'Icardi et d'Mbappé. Mais dans le jeu et dans le contenu, tu as la maîtrise globale. Et ça, c'est ça que j'essaie de nuancer par rapport à vous entre équipe, équilibre, niveau de jeu et spectacle. Oui, elle n'est pas spectaculaire cette équipe, mais sincèrement, quand on prend le match contre Lyon où tu marches sur Lyon pendant 90 minutes, tu as des grosses occasions, mais tu joues avec Choupo-Moting au poste de numéro 9, la même chose contre Bordeaux, le match contre Galatasaray. Juste pour terminer, Axel, le match contre Galatasaray où tu as 4-5 occasions très très franches là-bas, ça fait 1-0, mais ça aurait pu faire 2-3-0 facilement où tu n'es pas en danger. La même chose contre Bruges, le 5-0. Ligue des Champions, pas de problème. La Ligue 1, Marseille, la première mi-temps contre Nice, elle est excellente, la première mi-temps contre Nice. Sincèrement, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match-là, c'était un vendredi soir, ça fait partie de ce bloc de match. Après, derrière, il y a la cassure Marseille, et oui, tu as Brest où c'est immonde, tu as Bruges à la maison en Ligue des Champions où c'est immonde, tu as le match contre Lille. Tu peux énumérer les matchs, c'est un ressenti. Quand tu prends cette équipe du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, quand tu regardes les matchs, tu t'amuses pas et tu as l'impression que eux, ils ne veulent pas s'amuser, ils veulent faire le minimum vital jusqu'au moment où ce sera intéressant. Sauf que tu as l'impression qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs passées, parce que quand ils font ça, en général, quand ils arrivent en huitième ou en quart et qu'on leur met de l'intensité, ça se casse la gueule. Donc du coup, tu ne peux pas continuer à procéder de la même manière. Et ce que tu es obligé de reprocher à Thomas Tuchel, c'est qu'au final, il fait et agit exactement comme l'année dernière. Donc c'est dommage. Anthony, hier, c'était le premier match ensemble cette saison de Neymar et de Mbappé. On a senti qu'il y avait moins de combinaisons entre les deux, moins d'automatisme. Est-ce que ça peut expliquer aussi les difficultés du Paris Saint-Germain dans le jeu? C'est même pas l'association qui est nouvelle, c'est un peu aussi ce trio qui était aligné pour la première fois cette saison. Effectivement, on a eu des mal à trouver ses marques et c'est normal. C'est un jeu totalement différent que si tu joues avec Icardi ou Cavani.
Donc c'est des autres marques à trouver. Et après, il y a aussi l'appréciation nantaise défensivement qui est pas achetée, je pense, où ils ont été plutôt solides. Mais pour en revenir sur le débat de la Ligue 1, c'est comme ça depuis 5 ans. De toute façon, ça c'est pas le curseur, il a jamais été basé à ce niveau-là. C'est-à-dire que depuis 5 ans, tu sais très bien que dans des matchs du PSG en Ligue 1, de toute façon, tu vas forcément un peu... pas t'ennuyer parce que mais tu sais qu'ils sont au-dessus, donc quoi qu'il arrive ils vont accélérer un quart d'heure et ils vont marquer 3-4 buts et après ils vont terminer le match. Mais là on peut marquer 3-4, c'est non, le problème mais... parce qu'à la limite hier à la limite ça joue au ballon. On a vu des matchs même le match contre Strasbourg où Neymar il marque jusqu'à la dernière minute. Bon bah tu marches sur l'adversaire, moi, je suis d'accord, ils sont bloqués derrière, bon bah ça t'as l'habitude et c'est pas de ta faute s'ils jouent à 10 derrière, tu vois ce que je veux dire. Hier Nantes ils avaient la possession de balle au Parc. C'est pas normal. C'est bien une preuve qu'à un moment, tout le match. Mais t'as compris ça, je veux dire. Même si mais tu ça, sais pas que... par rapport au trio offensif, ça c'est plus par rapport au milieu. Où, non, effectivement, moi, là on parle d'équipe en global. Le trio offensif. Effectivement, parce que voilà, parce que là c'est le milieu de terrain où effectivement tout à l'heure, Walid, disons, il va falloir parler de Gay. Gay Marquinhos. Ces deux-là, et déjà l'association des deux, c'est étrange à mon goût. Et effectivement, après, il te manque Verratti, où là tu sens vraiment. Verratti manque au PSG. Là, quand il te manque Verratti, tu sens vraiment la différence. Évidemment. Et tous les gens. C'est pour ça, et c'est pour ça que... Je sais pas, il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui disent que Verratti n'est pas important. Ralentit le jeu et qu'il n'est pas mais important. Mais là, tu le vois qu'il est important parce qu'aujourd'hui, avec un milieu Gay Marquinhos, comment tu t'imagines faire du jeu? Parce que déjà, Gay, Marquinhos, après, ça c'est un choix de Tourelle, c'est quelque chose qu'il a installé depuis un moment qu'il essaye d'installer. Qu'il arrête. Non, il a fait des bons matchs. Non, faut qu'il voit que ça se passe mal. On peut pas tout jeter. Moi, je trouve que Marquinhos. Je jette pas tout. Marquinhos, il a le bon profil et les bonnes aptitudes pour jouer à ce poste-là. Après, ce que je comprends pas, c'est dans ce cas-là, pourquoi t'as recruté Gay? Moi, ma question, elle est plus là. Pour te répondre sur Marquinhos et sur Gay, alors déjà, pour commencer, tu joues au Parc contre le FC Nantes, tu mets pas 2-6. Enfin, pour moi, je deux joueurs à vocation défensive. Oui, exactement. En plus, et c'est exactement comme ça que je l'avais dit. En plus, exactement. Pas deux joueurs à vocation défensive. Marquinhos, franchement, Anthony, vraiment, tu le regardes, mais c'est tout sauf un milieu de terrain. Les prises de balles, l'orientation des épaules, les choix. Il récupère énormément de ballons. Mais bien sûr, ça, je suis sûr. Et c'est le meilleur récupérateur du match, de très très loin. Mais même Gay, je suis sûr qu'il a dû récupérer des ballons. Ça, y a pas de souci. Mais c'est là que Verratti est important. Ah non, mais Verratti, il est ultra important. Mais ça serait pour faire un milieu Draxler, Verratti et Hugo. Gay ou Marquinhos, pas Gay Marquinhos, oui, Verratti. Ce que je te dis, non, ça tu peux pas. Ou Ander Herrera que tu mets, mais c'est ce que je te dis, moment... tu me disais que Marquinhos, il fait beaucoup de choix, je dis que Marquinhos technique, beaucoup de choix, bien sûr, beaucoup de choix, bien sûr. Mais effectivement, mais dans le travail défensif, il est là et mais limite ce qu'on lui demande, mais tu peux pas demander ça s'il y a Gay à côté. Alors, c'est pour ça que ça revient sur ce que je disais, je ne comprends pas cette association là. Et c'est là que je disais aussi, c'est là que tu vois que Verratti manque clairement parce que dans ce milieu là, t'as pas de créativité à part Draxler qui a fait un bon match, mais qui n'a pas. Tu ressens pas Hier, Marquinhos récupère 14 ballons. Le deuxième joueur qui en récupère le plus au Paris Saint-Germain, c'est Gay, mais avec 7 ballons. Donc ça fait quand même moitié moins. Combien ils ont perdu? Parce que du coup, j'ai pas toutes les stats ici. Le problème du Paris Saint-Germain se situe dans le milieu de terrain qui est peut-être trop défensif ou dans l'animation offensive qui ne se trouve pas sur le chat. On nous dit depuis que Mbappé et Neymar sont revenus, ça joue plus individuellement que collectivement. Ouais, mais il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui si tu regardes le début de saison du Paris Saint-Germain. Il y a eu l'affaire extra-sportive Neymar qui a parasité le club jusqu'au 31 août. Donc il a fallu préparer une équipe sans Neymar. Derrière, Neymar revient. Avec une équipe sans Neymar qui marche bien, notamment en Ligue des Champions. Oui, d'accord, mais avant qu'il revienne en août, elle ne marchait pas énormément. Tu perds contre Rennes, etc. etc. Donc après, Neymar revient. Tu as ce match contre Strasbourg, le match contre Lyon, le match contre Bordeaux, où c'est très très pauvre dans le jeu et Neymar te fait la différence individuellement. Contre Strasbourg, contre Lyon. Voilà, contre Strasbourg. C'est ce que je disais. Et derrière, tu as une équipe sans Neymar en Ligue des Champions et avec la blessure. Donc tu dois repartir avec une animation au milieu de terrain avec Gay, Marquinhos, Verratti qui avait plutôt bien fonctionné en Ligue des Champions. C'est toi que. Là où je suis un peu en désaccord avec Axel, c'est que je peux comprendre ses réticences sur Marquinhos au très très haut niveau au poste de numéro 6, mais tout n'est pas à jeter dans ce qu'il a réalisé au Paris Saint-Germain. Au poste de numéro 6, il y a eu aussi beaucoup de matchs où il a été bon. Il y a eu des gros matchs où il a été bon. Quel gros match, Axel? Mais c'est important, Walid, parce que le Real Madrid, Manchester United, Liverpool, l'année dernière. Le Real, mais au retour, il est pas bon contre Manchester. Et écoute, le Real au retour, il est pas bon. Mais dès qu'il y a on va pas refaire tous les débriefs de matchs de Marquinhos. Le problème, c'est de regarder un joueur qui
et c'est évident, n'a pas la capacité pour être un milieu de terrain à, qui va jouer des matchs à haute intensité, mais qui a évidemment la capacité pour récupérer des ballons et avoir un impact physique au milieu de terrain. Tu m'écoutes quand je parle. Mais si, j'ai dit quoi, si, j'ai dit, je viens tu me dis dire que quoi tout n'est pas acheté, alors qu'à partir du moment où pour moi une solution n'est pas la bonne, il faut la changer. Je comprends. Donc tu peux faire de demi-mesure. Alors, tu vois ce que je veux dire. Alors je vais me répéter juste, si tu me laisses terminer, je vais répéter. Axel, j'ai dit que dans ton idée... Je comprenais ton idée, parce qu'au très très haut niveau, Marquinhos, il y a quelques doutes. Maintenant, là où je ne te rejoins pas, c'est que tout n'est pas à jeter avec Marquinhos, et surtout avec la double animation, avec la double animation que peut mettre en place Tuchel, comme contre Liverpool l'année dernière, où pour moi, c'est le match référence de Thomas Tuchel, sous Thomas Tuchel, pardon, avec cette double animation où il pouvait coulisser, notamment entre le 3-4-1-2 et le 4-4-2. Ces matchs-là, ils ont existé, Romain, où je fabule. Mais c'est pas comme ça, là. Non, mais laisse-moi terminer, Axel. Tu me demande, ça j'ai compris que tu n'es pas d'accord, mais tu me demandes des matchs références où Marquinhos a joué au poste de numéro 6, je t'en donne 3, tu me dis oui mais United au retour il est pas bon, mais je te donne les matchs où il a été très bon. Real Madrid à la maison, le 3-0, Marquinhos est au poste de sentinelle. Marquinhos est au poste de sentinelle contre Pogba à Anfield, il est très bon. Ultra fort. Ultra fort, pardon, merci Anfield, Romain. Il est très bon. Mais à Anfield, sur le. Au Parc des Princes, j'ai du mal décidément avec les stades. Au Parc des Princes, il est très bon. Ce sont 3 matchs au haut niveau. Maintenant, encore une fois, je te répète que je suis d'accord sur l'idée qu'il faut qu'il soit bien accompagné et qu'il y ait un milieu. Complémentaire, c'est-à-dire un stabilisateur comme Marquinhos, un ratisseur comme Gay et un créateur comme Verratti, mais dans une configuration comme hier où tu dois faire le jeu contre Nantes, tu ne peux pas mettre un double pivot avec Gay et Marquinhos. Si avec tout ça, ce que je viens de te dire là, dans un condensé d'une minute, t'es pas d'accord avec moi, je peux rien faire d'autre. En fait, le problème, c'est juste que quand sur la dernière partie de ton argumentaire, je suis complètement d'accord. Surtout hier, c'est un scandale de mettre un double pivot comme ça. Mais par contre, il y a un truc sur lequel je ne te rejoins pas. C'est qu'à partir du moment où tu as vu qu'il y a eu certes 3 bons matchs, mais aussi des matchs où ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais avec une. Tu peux pas mettre en demi Marquinhos. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu essaies de nuancer le propos. Marquinhos Gay, dans des matchs à haute intensité à l'extérieur, un match comme le Real cette année, techniquement. Très souvent également, ça ne fonctionne pas. Donc tu peux pas dire, on peut pas tout jeter. Parce qu'en fait, c'est où tu arrêtes de le mettre, ou tu le mets. Non, tu vois ce que je veux dire? En fait, ce que je comprends pas, c'est ton... Oui, effectivement, ils ont fait 2 matchs, ou 3 matchs, bon. Mais tu ne peux pas continuer à faire une solution qui ne marche pas tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Une fois, mais c'est à l'image du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et tout le temps, Di Maria, il ne marche pas. Tout le temps, Neymar, il ne marche pas. Mais t'as quand même des trucs sur lesquels tu peux quand même plus te reposer. Exemple, Thiago Silva. Exemple, un Kylian Mbappé qui quand même... Oui, d'accord. Ouais, donc du coup, moi, Marquinhos Gay, je ne comprends pas ce qu'a vu Tuchel, malgré les 2-3 bons matchs que tu me cites, d'assez exceptionnel et d'assez bon. C'est des excellents matchs de Marquinhos. Mais je ne comprends pas comment tu peux me dire que Marquinhos Gay, c'est assez bon, alors qu'en fait, si tu regardes bien, c'est moitié. C'est-à-dire contre le Real, il est excellent, au retour, il est dégueulasse. Mais non, tu vois ce que je veux dire? Nous disons que la situation était pas... Anthony. Non, mais on disait que l'association n'était pas bonne, mais on parle de Marquinhos en 6. Marquinhos en 6, c'est pas horrible. L'association Marquinhos Gay, je suis d'accord avec toi que c'est pas bon, c'est pas viable. C'est pas viable. Oui, mais... Tout dépend de l'animation que tu mets autour de Marquinhos. Exactement, mais là, on parle du match d'hier. Sur le match d'hier, effectivement... Non, si tu me parles du match... Bah, le match d'hier, c'est pas... Oui, c'est pas viable. Je suis d'accord avec toi, mais sur le match d'hier, ça a été fait. Mais de toute façon, peu importe le choix que fait Tuchel à n'importe quel poste, t'es pas assuré que le joueur fasse des excellents matchs à tous les matchs. Je suis désolé, mais t'as quand même plus d'assurance sur certains t'as plus d'assurance. Donc, tu mets sinon... Mais regardez, c'est pas sur un match énorme contre le Real. Après, on va passer à d'autres débats, parce que le débat Marquinhos 6, c'était pas le... On va pas rester des heures dessus, mais tu dis t'as pas d'assurance, mais à part Marquinhos, il n'y a pas véritablement d'autres assurances possibles. Mais tu peux très bien, regarder d'autres choses. Je sais pas, André Herrera, il existe. Mais il est blessé. C'est un joueur qui existe, mais il existait. Enfin, c'est un joueur qui peut peut-être rentrer dans la rotation. C'est pas un 6, c'est un joueur. Mais pourquoi ce truc de 6 avec le Paris Saint-Germain? Pourquoi tu te sens... Regarde, tu parlais tout à l'heure de quand Marquinhos y revenait et que ça jouait à 3 derrière avec 2 milieux de terrain. T'as pas forcément besoin de 6. Toutes les équipes du monde n'ont pas un 6 devant la défense. Bah donc, quand qui reste là. Quand tu joues dans un milieu à 3 et que ton entraîneur il t'explique que les 3 ça bouge pas, alors tu prends quoi? Tu prends ce que je pense être mauvais ou ce qu'il dit lui? Parce que si t'écoutes Tuchel, oui, on a compris l'équipe, on sait quelle équipe va jouer. Ça on sait. Maintenant, t'as le droit de regarder et d'être un peu critique par rapport à ça. Donc, toi, dans un gros match à l'extérieur, qu'est-ce que tu fais? Dans un gros match à l'extérieur, je mets Marquinhos sur défense centrale, je mets Gay.
je mets Herrera s'il est dispo avec Verratti. Et donc Gay, t'as beaucoup plus d'assurance au très très haut niveau au poste de numéro 6 Gay que Marquinhos. Mais il est pas obligé de jouer en 6 sentinelles. Bah, t'es pas obligé de rester dans ta défense. Donc tu joues en 4-2-3. Non, je peux jouer en 4-3-3 sans pour autant avoir un 6 à la Busquets entre guillemets. Je peux jouer différemment. Mais sur un 4-3-3 dans un milieu, je suis désolé, tu joues à 3 à plat, c'est comment ça se passe. Mais non, mais tu peux pas. Que tu mettes Gay devant la défense, que tu mettes Verratti devant la défense, que tu mettes Herrera devant la défense, tu peux forcément créer des nouvelles choses. T'es pas obligé de te référer à ce qu'il y avait avant. Si t'as pas la qualité et les joueurs dans ton effectif pour jouer d'une certaine manière, ne joue pas comme celle-là. Joue en 4-2-3 si tu veux. Joue avec Verratti, Gay, un 10, non. Je ne sais pas. Comment tu peux te débrouiller. On l'a bien vu sur la deuxième mi-temps contre Real Madrid. À jouer à 2, c'est du suicide. En tout cas, c'est quand même bien meilleur la deuxième mi-temps que la première mi-temps. Le fait est que, parce qu'on va pas se repartir sur ce débat-là, c'est pas du tout le but. Et on a un autre débat qui va être assez agité sur un numéro 9 qui est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Et donc, je pense que ça va être un peu acharné aussi. Mais Thomas Tuchel, faut qu'Axel écoute les autres aussi. C'est quoi, je réponds même pas. Thomas Tuchel s'est expliqué sur la mauvaise prestation du Paris Saint-Germain hier. C'était un 4-4-2 très resserré. Il parle des Nantais. C'était difficile de trouver des espaces. On a manqué de vitesse et de précision, de confiance dans notre jeu. On a perdu trop de ballons. On manque de rythme, on manque de confiance. Je ne sais pas exactement pourquoi. On doit analyser. Rester calme. Voilà les mots de Tuchel sur les mots MAUX du Paris Saint-Germain. L'avantage, c'est qu'il va y avoir pas mal de matchs sur la période de fin décembre et surtout début janvier jusqu'à février pour essayer de modifier ces petites incohérences tactiques et techniques. On va passer au gros débat. Le gros débat du soir, c'est la deuxième partie de cette émission. C'est un changement de Thomas Tuchel à la 85e minute, je crois. Le changement pour la rentrée d'Edinson Cavani. Est-ce qu'il y a un malaise Cavani? Ça va être ce qu'on va se poser comme question. Cette saison, c'est 10 matchs. 5 titularisations, il y a eu 2 buts en début de saison. Il a joué la moitié des minutes du Paris Saint-Germain, alors il a été blessé à un moment. Voilà les stats d'Edinson Cavani. C'est la question du soir, juste avant de prendre l'avis d'Anthony, d'Axel et de Walid. La question du soir, les socios, elle est sur Edinson Cavani. Que faire? Que faire de Cavani quand vous êtes le Paris Saint-Germain? Voilà, on est à 7 mois de la fin de son contrat. Que faites-vous d'Edinson Cavani? Est-ce qu'il faut l'utiliser? Le faire jouer plus souvent? Est-ce qu'il faut le vendre dès janvier? Est-ce qu'il faut le laisser croupir sur le bout du banc du Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de la saison? Donnez-nous votre avis sur le chat et dans les commentaires pour ceux qui nous voient en replay. Juste avant, on a mis le malaise Cavani, c'est aussi le titre de l'émission. Tu sens qu'il y a un malaise Cavani, Walid, au Paris Saint-Germain? Oui, il y a un malaise Cavani pour plusieurs raisons. Il y a une certaine fracture avec les supporters, on l'a vu hier sur sa rentrée et sur la sortie de Neymar. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des pro-Neymar et des anti-Cavani, alors que pour moi les deux joueurs ne sont pas en concurrence, que les deux joueurs sont totalement différents. Et alors, il y a le débat par rapport au fait que Neymar a chié sur le club tout l'été, que Cavani est apprécié, est adoré même par les supporters. Tu sens que Tuchel, dans sa déclaration, je ne sais pas si on va l'avoir ce soir, il est un peu embarrassé parce que dans sa tête, pour lui, Icardi et Mbappé sont devant Cavani dans la hiérarchie, que Cavani a marqué l'histoire du club en étant le meilleur buteur de l'histoire et qu'il arrive en fin de contrat en juin. Donc pour toutes ces raisons-là, oui, il y a un malaise Cavani et ça clive sur les réseaux, ça clive dans les travées du Parc des Princes et dans les coulisses. Donc oui, il y a un malaise Cavani. Toi aussi, tu le ressens, Axel, sans donner ton avis sur ce que doit faire le PSG, ce que doit faire Tuchel, etc. Tu ressens qu'il y a ce malaise-là aussi? Ouais, bien sûr qu'il y a un malaise énorme. On voit que le parc a chanté le nom et la chanson de Cavani pendant 15 minutes. Pendant 10 minutes, à partir du moment où il rentre jusqu'à la fin. Il y a quelques sifflets pour Neymar, même s'il y a aussi des applaudissements maintenant. De toute façon, ça sera un peu toujours comme ça, tant qu'il ne se passe pas quelque chose en Ligue des Champions pour Neymar. Pour Cavani, on voit qu'il ne dit rien, il reste sur le banc. Le turnover est scandaleux de la part de Tuchel. Ça c'est ton avis. Hein. Donc ça sera l'avis que tu développeras. Non, mais ça sera l'avis que tu développeras. Alors, j'ai plus de temps pour après, donc j'ai dit, oui, il y a un énorme malaise, il est évident. Mais heureusement que tu l'as prévenu. Évidemment qu'il y a un malaise. C'est évident qu'il y a un malaise. On a un attaquant qui est extraordinaire et qui joue pas un match, même contre Nantes. Donc forcément, oui, il y a un malaise. Et les supporters du PSG ne peuvent pas comprendre que le seul truc qui marchait depuis 2 ans, le seul truc sympa,
c'est Edinson Cavani. Le seul joueur qui a un peu rentré au cœur avec Thiago Silva et allez, Marco Verratti, on l'aime bien aussi, c'est Cavani. Et derrière, Cavani, bah, il se retrouve mis sur le banc par un coach qui nous a juste fait perdre 2-0 au retour, enfin 3-1 chez nous l'année dernière. Enfin, c'est compliqué. Il l'a refait. Le club, il a refait. Ah, alors, si on est tous d'accord pour le fait qu'il y a Alès Cavani, on va voir juste la déclaration de Thomas Tuchel sur Edinson Cavani, sur la gestion de l'Uruguayen. Donc, on l'a en deux fois, on va la mettre en deux fois. Eddy était blessé, ça c'est vrai qu'il était blessé au début de la saison, malgré ses deux premiers buts. Donc, ce n'est pas de sa faute, mais Mauro Icardi a fait super bien en son absence. On l'a traduit dans du Tuchel mot pour mot. Il a marqué beaucoup de buts. À mon avis, si on continue de jouer avec ce système, trois milieux et trois attaquants, on se retrouve avec trois joueurs extraordinaires pour un seul poste, Kylian, Mauro et lui. Ça veut dire que Kylian Mbappé... tu réagiras après. Tu réagiras après. Okay. Encore une fois, je suis triste parce que je n'ai pas la solution. J'ai réfléchi beaucoup. Ça, c'est la première partie de la déclaration de Thomas Tuchel. Il n'a pas mérité ça parce qu'il fait de super entraînements. Il est super professionnel. Il est dans un état d'esprit dans le vestiaire à donner de l'énergie à l'équipe. Mais pour le moment, je n'ai presque rien à lui donner. Aujourd'hui, c'était 5 minutes avec presque un but de sa part. Il y a eu un raté d'Edinson Cavani hier contre Nantes. Ce sont des décisions que je dois prendre. Quoi qu'il arrive, aucun des trois joueurs n'est habitué à être sur le banc. Voilà pour les explications de Thomas Tuchel sur Edinson Cavani. Attention, Romain, on va essayer d'avoir un débat constructif. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tout le monde va s'écouter. On va essayer de s'écouter. De ne pas être dans la mauvaise foi. On y va. On est 50 000. Non, parce que je le sens. On est 50 000 sur la chaîne du Club des 5. Voilà. Maintenant, on a des déclarations. Tranquille, parce que moi, écoute tout le monde, on écoute tout le monde. et on prend des avis constructifs. Et tu seras là pour nous aider, hein. Tu seras là pour nous driver. Hein, bien sûr, je serai là pour vous aider. Anthony, je vais te poser la question de pour prendre ton avis de cette manière-là. Est-ce que tu trouves que le temps de jeu de Cavani, faible depuis son retour de blessure, est mérité / justifié au Paris Saint-Germain? Effectivement, pour être honnête, je pense qu'il devrait même avoir plus de temps de jeu. Mais après, en fait, Tuchel aujourd'hui, il est confronté à un problème que les grands clubs ont tout simplement, avec beaucoup de joueurs de grands talents au même poste. Et c'est à lui effectivement d'essayer d'installer ce turnover-là. Après, effectivement, il y a ce que Cavani représente au PSG, et ça, on peut pas l'enlever. Et même, comme tu le disais, Axel, auprès des supporters, il a toujours cette cote. Mais ce qui m'énerve aussi avec ce traitement qu'il a, c'est que j'ai l'impression qu'on le fait passer pour une victime là où lui ne le fait pas, en fait. C'est-à-dire que lui, comme m'a dit Tuchel, il reste très professionnel. Il sait qu'effectivement, il y a un grand joueur qui est arrivé au Mercato et qui va avoir beaucoup de concurrence cette année. Après, là où effectivement, je trouve qu'il pourrait avoir un peu plus de temps de jeu, c'est qu'il y avait eu à peu près le même problème avec Zlatan à l'époque. Et lui avait accepté effectivement de jouer sur la droite en attendant de pouvoir prendre cette place-là. Là, aujourd'hui, il se retrouve une nouvelle fois confronté à une grosse concurrence. Et là, malheureusement, il n'y a plus de place sur les ailes, hein, parce que sur les ailes, tu as Di Maria qui excelle, et tu as Mbappé, et tu as l'émergence de ces joueurs-là. Et donc, forcément, il se retrouve sur le banc. Alors, effectivement, je trouve qu'il devrait plus jouer, mais aujourd'hui, c'est tout simplement le meilleur qui joue. Donc, pour moi, Icardi, Edinson Cavani, il a été blessé. Il a un joueur qui a performé en son absence, et j'ai envie de te dire, c'est un peu les absents ont toujours tort, entre guillemets. Il a perdu sa place, maintenant il va devoir se battre pour la récupérer, il arrive en fin de contrat. Donc je pense aussi que voilà, le PSG doit préparer l'avenir. Mauro Icardi qui vient d'arriver et qui va certainement s'installer pour de nombreuses années. Enfin, si son prêt est prolongé et si le PSG... Effectivement, mais en tout cas, je pense que c'est bien parti pour si le PSG a les moyens de le faire. Donc effectivement, y a, aujourd'hui, je pense que Tuchel est dans un gros dilemme et qu'il va devoir gérer ça finalement comme un grand coach de classe mondiale qui gère des joueurs de classe mondiale. Alors, Anthony pense que Cavani devrait plus jouer. Tuchel explique qu'il n'y a pas véritablement de minutes à donner et de place pour Edinson Cavani. Comment ressens-tu cela? On l'a déjà un petit peu, voilà, vu. On a des indices sur la vie. Je vais essayer de ce que tu as, la déclaration de Tuchel que tu as montré, qui dit plusieurs choses. La première, elle dit que Kylian Mbappé, il joue 9. Et Anthony l'a dit très justement. Et dans la hiérarchie, il est sur le côté aussi. Voilà. Il est sur le côté. Donc Mbappé, lui, il a le droit de jouer à deux postes. Lui, il peut jouer. Il a les qualités pour jouer à deux postes. Voilà, il a les qualités pour jouer à deux postes. Donc il est en concurrence sur le côté, il est en concurrence au poste de numéro 9. On est d'accord jusque-là. Cavani, il est blessé et Icardi qui a très bien fait en son absence. Bon, Draxler, il était blessé très longtemps. Il est revenu, il a joué tout de suite. On est d'accord. Draxler, il n'a pas attendu très longtemps. Il a mis d'ailleurs, Draxler, quelques matchs. Ouais, il est rentré contre le Real, Draxler. Ouais. Non. Voilà. Bon, lui aussi, il n'a pas joué. Il n'a pas été. Il n'a pas donné impressionnant. Ça a été un choix payant. Juste finir.
juste finir. Ouais, d'accord. Bon, après, oui, on peut dire plein de choses. Sur Draxler, je vois que, bon, il joue et en tout cas, on lui fait confiance. On est même titulaire d'entrée de jeu contre Nantes hier. Edinson Cavani, il a un match contre Brest, je crois, où il est titulaire, il me semble, ouais, si je me rappelle bien. Ou il n'est pas bon. Sinon, ouais, il n'est pas bon. Il n'est pas bon et... Il n'est pas bon. Et il sort, Icardi rentre, il marque. Il marque. Ouais. Incroyable. Mm. Hier, il rate une occasion incroyable. Le coach Tuchel n'hésite pas d'ailleurs à nous rappeler qu'il a failli marquer un but à la fin, parce qu'il faut bien lui rappeler qu'il a raté l'occasion. Si on m'explique maintenant qu'il n'y a pas un traitement de faveur sur Edinson Cavani, quand on voit le professionnalisme du mec, quand on voit que tout le monde l'aime, oui, exactement, mais quand on voit que tous les supporters l'aiment, c'est-à-dire que même Thomas Tuchel pourrait se servir, entre guillemets, de Cavani comme bouclier pour créer une certaine ambiance dans le groupe, parce que Cavani, quand Cavani met un doublé, quand Cavani marque, les supporters du PSG sont contents. Il y a un truc avec Cavani. On voilà. s'en fout de ça. Non, mais si, non, tu t'en fous parce que qu'ils en font tu fais régner une atmosphère, tu fais régner quelque chose et tu installes une certaine puissance, une identité et tu donnes. Et donc le coach. Tu donnes de l'importance à l'histoire, au peu d'histoire qu'on a réussi à gratter sur les trois dernières années. Edinson Cavani, un joueur qui nous a rarement déçu, qui a été pas bon à des moments au début, mais qui a été mis sur le côté, qui s'est tué, qui s'est un peu plaint même à un certain moment, qui a été remis dans l'axe, qui derrière fait des saisons, il est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, pourquoi le match contre Nantes hier soir, pourquoi, au lieu de mettre un double pivot, au lieu de mettre Draxler, etc., qu'est-ce qu'a fait Cavani pour ne pas démarrer le match et pour ne pas avoir la chance de pouvoir dire à Icardi, regardez, moi aussi je mets des buts. Maintenant, on est en concurrence maintenant. Et est-ce que sur des matchs de Ligue 1, on peut aussi, est-ce qu'on peut entendre la déclaration de Thomas Tuchel qui dit, il n'y a pas la place, j'essaie de lui donner des minutes, mais c'est compliqué, sachant que l'enjeu des matchs de Ligue 1 est peut-être un peu moindre par rapport, je ne pense pas qu'Axel demandait Edinson Cavani titulaire contre le Real Madrid. Est-ce que sur la Ligue 1, sur un match en semaine quand on a trois... Un match en semaine quand on a trois en six jours, est-ce que là-dessus, il n'y a pas la place de mettre titulaire Edinson Cavani? Déjà, en fait, il y a beaucoup de choses à dissocier et il y a beaucoup de choses... qu'Axel et Anthony ont évoqué. Moi, j'aimerais d'abord me mettre dans la position de Thomas Tuchel, parce que le problème aujourd'hui chez les supporters parisiens, parce que le malaise, il démarre de là. Faut pas se mentir, Oui, il y a quelque chose dans le groupe, parce que Tuchel n'a jamais apprécié Cavani en tant que joueur de football. Il faut rappeler que l'année dernière, déjà, avant le déplacement au San Paolo, au Napoli, alors oui, il était un petit peu blessé, mais il avait préféré mettre Mbappé au poste de numéro 9 pour épouser les qualités athlétiques de Mbappé en contre, pour mettre en difficulté le Napoli qui avait donné une leçon technique au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Déjà, on avait eu quelques signes. On le sait, c'est pas une surprise. Maintenant, on arrive un an plus tard, après l'éclosion d'Mbappé au poste de numéro 9 en Ligue 1. Alors, ça reste de la Ligue 1 et tout le monde va me dire « Oui, Walid, c'est de la Ligue 1 ». Après les trophées UNFP où il nous a expliqué qu'il voulait plus de responsabilités, qui dit plus de responsabilités dit un rôle un peu plus axial pour Mbappé. Et la troisième étape, c'est qu'on a un directeur sportif qui s'appelle Leonardo, mais apparemment, tous les supporters parisiens, ça, personne ne le dit. Personne n'explique que le 31 août, on a un directeur sportif qui a saisi une opportunité de marché en récupérant l'un des meilleurs neufs au monde. C'est génial ça. Non, bien sûr, mais j'allais y venir, Axel, juste si tu me laisses terminer. Sincèrement, quand on a un entraîneur qui n'est pas fan d'un poste d'un numéro 9, qui a un numéro 9 en devenir, qui a explosé sur la fin de saison, plus Icardi qui arrive en ayant un Cavani blessé et qui met 10 buts en 10 matchs, si tu te mets à la place de Tuchel, qu'est-ce que tu fais? Moi, encore une fois, je veux bien vos raisonnements de supporters. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour toi, Axel, beau de placer truc sur le fait que je sois supporter. Alors que ce que je demande, c'est juste la justice et l'équité pour chaque joueur. J'ai le droit d'avoir un avis. Je pense que c'est un avis de supporter. Je suis pas d'accord. C'est-à-dire que vous êtes dans le romantisme, vous êtes dans le CV de Cavani. Et encore une fois, je vais peut-être passer pour un anti-Cavani, mais Cavani, et Romain, t'es le premier témoin, parce qu'on se connaît depuis très très longtemps. J'adore ce joueur. J'adore l'homme, j'adore ce joueur, j'ai toujours milité pour lui, j'ai adoré son passage au Napoli. Le problème, c'est que Leonardo l'avait dit sur son premier passage au CFC. Est-ce que vous vous rappelez, quand il y a 3-4 ans, quand il avait dit, pour ceux qui nous suivent, allez sur YouTube en double fenêtre, refaites-vous, parce que ça m'avait marqué, moi. Il était en face de Pierre Ménès et il avait dit, Néné a fait du Néné. J'ai payé Néné pour faire du Néné. Aujourd'hui, j'achète Lavezzi pour qu'il fasse du Lavezzi.
Nené, c'est le passé du Paris Saint-Germain. Ce n'est plus le présent. Et aujourd'hui, Icardi, c'est exactement la même chose que Cavani. Si vous ne voulez pas comprendre que Cavani, aujourd'hui, c'est le passé du Paris Saint-Germain, un passé glorieux. Non, mais Romain, laisse-moi terminer. Je vais essayer de vous faire parler là. Un passé glorieux du Paris Saint-Germain, l'un des plus grands passés du Paris Saint-Germain, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, Cavani arrive en fin de contrat dans 6 mois. Tourelle doit préparer une équipe avec ses plans dans 2 mois. Je vois pas pourquoi Cavani aujourd'hui... Mais... Alors peut-être qu'il mérite 15 minutes contre Nantes, mais faut rappeler que il a été titulaire contre Brest. Il a joué 20 minutes contre Marseille. Il a joué 15 minutes contre Lille. Il a joué 5 minutes hier. Mbappé a fait la même chose quand il est revenu de blessure. Sauf que Mbappé, il a mis quoi ? Triplé contre Bruges. Il a été extraordinaire contre Nice. Il a été extraordinaire contre Bordeaux. Et encore une fois, ça, c'est une réalité que beaucoup de supporters ne veulent pas l'entendre, tout simplement. Non. Alors, Anthony, je vais te prendre ton avis. Est-ce que sur Edinson Cavani, comme disait tout à l'heure Axel, qui parlait d'élan autour de l'équipe qui pouvait être créée via une titularisation et une bonne performance d'Edinson Cavani, est-ce que ça doit être un argument pour Tuchel, pour l'aligner, en plus que de lui donner des minutes, parce qu'il faudrait donner des minutes à tout le monde, est-ce que ça peut être un argument de se dire ça peut me mettre le public dans la poche ? Non, mais moi je suis d'accord avec Walid sur le fait qu'effectivement aujourd'hui t'es le Paris Saint-Germain, tu fais jouer le joueur qui est le plus performant. Et aujourd'hui, c'est comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui pour moi c'est Icardi à ce poste-là, ou même Mbappé quand Tuchel a envie de le faire, sauf hier où effectivement l'animation était compliquée. Il a le droit d'avoir des plans, c'est le coach du PSG. Exactement, il y a une hiérarchie. Après, et c'est pour ça que je te disais aussi que, par exemple, quand je te parlais tout à l'heure des supporters, je disais que justement, ils n'aidaient pas Cavani en le faisant finalement passer pour cette victime qui joue plus et qui a plus rien à donner au PSG. Aujourd'hui, Cavani doit juste se battre pour essayer de regagner sa place. Ça va être très dur avec Tuchel parce qu'il le déteste. Non, oui, parce qu'il l'aime pas beaucoup. Le seul petit truc que je peux à la limite reprocher entre guillemets à Tuchel, c'est que effectivement, même si moi je suis d'accord avec toi que aujourd'hui tu fais jouer le meilleur et que l'histoire c'est avant et que en plus Cavani finalement il a pas ramené ce pourquoi le PSG se bat depuis QSI, mais il y a quand même ce passé qui compte. Et donc je pense juste que sa sortie, parce que je pense qu'aujourd'hui on est tous persuadés qu'il partira à la fin de la saison. Et juste déjà, je comprends pas pourquoi tu le gardes à la base si de toute façon tu comptes pas le faire jouer. Et il voulait pas partir. Il a toujours dit qu'il voulait aller à la fin de la saison. On entend des trucs. Enfin, les gars, il était bon il y a 4 mois le mec. Non, mais moi je te parle même de ce qu'il a représenté au PSG. Si de toute façon tu comptes le sortir de ton club et aujourd'hui tu le sors de ton effectif, c'est vrai que je trouve il y a des manières, tu vois, un peu plus adouci de le faire en disant effectivement je vais le laisser jouer un petit peu là parce que de toute façon la Ligue 1, comme je te disais tout à l'heure, la Ligue 1, même si effectivement tu peux pas te permettre de faire des mauvaises prestations comme tu l'as fait pendant un temps face à Strasbourg etc où Neymar te sauve, mais en Ligue 1 tu sais très bien que tu vas le remporter le championnat. De toute façon tu sais très bien que tu vas gagner ces matchs là c'est pas ça. J'ai même pas envie de partir là-dedans. Je peux remonter à Walid parce que excuse-moi je peux pas entendre un truc, c'est que un raisonnement de supporter, le gars c'est le meilleur buteur de l'histoire de ton club actuel. Je veux parler. Genre, t'as eu 5 minutes. Je veux juste parler 2 minutes parce que. 5 minutes, t'es dur. Voilà. Ouais. T'as eu un bon petit temps. Autant tout à l'heure, j'étais d'accord avec le 1 minute. Autant là, c'était pas 1 minute. Un truc. Genre, la Cavani, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. L'année dernière, il fait une top saison. Les appels, il fait des très, très, très bons appels. Quand il est en confiance, il finit super bien. Il apporte une hargne et un mode de jeu et une façon de jouer que ne t'apporte pas Neymar, que ne t'apporte pas Mbappé. Cavani, c'est encore un joueur un peu à l'ancienne. C'est un joueur qui va t'apporter des choses différentes que ce que la moitié, les trois quarts de tes joueurs t'apportent au Paris Saint-Germain. Cavani, il fédère derrière lui. C'est-à-dire que t'as aussi les supporters, t'as aussi énormément d'engouement autour de ce mec-là. Quoi qu'il arrive, ça aide ton groupe à grandir. Et ça, je pense que Tuchel, il est assez intelligent pour le comprendre. Je pense que Tuchel, aujourd'hui, il est devant un truc. Il est devant Mbappé qui se plaint, Neymar qui est Neymar, Icardi qui l'aime bien et qui a été acheté au dernier moment, et Di Maria qui est impressionnant. Le seul problème, c'est quand tu montres avec tes choix que le joueur qu'est Cavani, tu ne le respectes pas. Car tu ne lui donnes pas la stature qu'il a dans l'effectif. Ne me dites pas qu'Mbappé, ne me dites pas que même un Draxler, un Neymar, ils n'ont pas le même poste. Ils n'ont pas la même envie
de la part de Tourelle n'a pas la même envie de faire briller ces joueurs-là. Il met Cavani, il le met comme ça, il le fait rentrer 5 minutes au Parc des Princes contre Nantes. Les amis, il y a un moment où tu es obligé de regarder la vérité, c'est que il ne l'aime pas certes, mais il n'est pas équitable et il n'est pas juste dans sa manière de faire. Il l'a enlevé, il l'a supprimé d'une manière genre on a acheté Icardi, on a plein d'attaquants devant, l'équipe elle marche bien, ça y est, je peux m'en débarrasser. Pas du tout en tant qu'homme, et humainement, c'est ce qu'il fait, c'est se débarrasser d'un joueur qui pourra lui être utile, mais énormément. Et quand on voit, juste pour finir Romain, là-dessus, le match contre le Real Madrid, là, le 2-2 qu'on fait, mais très bien, Sarabia il rentre, il marque, il n'y a pas de souci. Le match d'Icardi contre le Real, puisque visiblement quand tu fais un bon match et que tu t'appelles Icardi, tu en joues 4, et quand tu fais un mauvais match et que tu t'appelles Cavani, tu en joues pas 4. Alors Icardi, il fait un mauvais match contre le Real. Axel. Derrière Cavani, il doit pas justement avoir la possibilité de pouvoir montrer ce qu'il veut. Il peut pas parce qu'il met Di Maria, Mbappé, Neymar et il fait jouer Draxler parce que numériquement, c'est Draxler qui prend la place de Cavani. C'est pas les trois devant. Sur le chat, c'est assez disparate, il y en a qui sont plutôt d'accord avec Axel sur ce point-là. Non, pas forcément. Il y en a qui sont plutôt d'accord avec toi, Walid, et qui sont aussi peut-être supporters parisiens, ouais. Parce que c'est possible aussi. Moi, j'aimerais faire évoluer le débat, parce qu'on a vu la manière, les arguments que vous avez annoncés sur doit-il jouer, doit-il pas jouer, etc. Mais c'est sur la manière de la gestion du cas. Comment peut-on gérer un joueur qui est une légende de ton club, puisque Edinson Cavani est une légende du Paris Saint-Germain? Comment doit-on le gérer? Comment peut-on le gérer? Et que doit-on faire d'Edinson Cavani? Il n'y a pas de cas parfait aujourd'hui. On se rappelle je prends l'exemple par exemple de Raoul au Real qui sur ses dernières saisons avançait moins, jouait était mauvais. Cavani n'a jamais été mauvais. Cavani n'a jamais été mauvais en jouant. Cavani a eu des matchs où il n'a pas été bon. Sur les 4 derniers mois? Les 4 derniers mois? Oui, il y a des matchs où il n'a pas été bon. Après, c'est bon, on va pas disséquer. Il reste très correct. Parce que la question, c'est celle-là, c'est que doit-on faire d'un Cavani, même s'il n'entre pas dans les plans sportifs de Thomas Tuchel, ce qu'on peut entendre, ce qui peut être une vision, que doit-on faire dans ce cas-là d'Edinson Cavani? Quand tu es le Paris Saint-Germain, quand tu es Leonardo, voire Tuchel, qu'est-ce que tu fais d'Edinson Cavani? Mais encore une fois, le cas Cavani ne se résume pas à Thomas Tuchel. Il faut arrêter de se mettre ça dans la tête. C'est pour ça que je te demande aussi de la part de Leonardo. Parce que Leonardo ramène Icardi au poste de numéro 9, alors qu'il n'y avait quantitativement et qualitativement, pas besoin d'un numéro 9. On est bien d'accord là-dessus. On est d'accord. Quand tu regardes l'effectif du Paris Saint-Germain cet été, tu te dis pas il faut un numéro 9. Il faut d'autres joueurs dans d'autres secteurs. Il a fait ce choix-là. À un moment donné, tu donnes ça à Tuchel. Tuchel n'est pas fan du joueur Cavani. Il met Mbappé au poste de numéro 2 et Icardi au poste de numéro 1. Il met un plan de saison en place. Parce que moi, on me dit, oui, Walid, pourquoi il ne joue pas contre Nantes, Cavani? Pourquoi il n'est pas titulaire? Mais moi, j'ai envie de répondre. Si Tuchel, dans ses plans, il veut travailler l'animation avec Mbappé au poste de numéro 9, en se disant qu'en 8e de finale de Ligue des Champions, on jouera comme ça, ou si c'est avec Icardi, pourquoi il va... Il ne jouera pas comme les joueurs hier. Non, mais à quoi ça sert d'utiliser Cavani dans ce poste-là, si clairement il n'est plus dans les plans de Tuchel? Il n'est plus dans les plans sportifs de Tuchel. Exactement. Donc, que veux-tu de Cavani? Pour moi, Cavani, il aurait dû déjà partir du Paris Saint-Germain sur la fin de saison, l'année dernière. Sauf que le problème de Cavani, et ça, il y en a beaucoup qui veulent l'oublier ou l'omettre, c'est que Cavani veut aller jusqu'à la fin de son contrat pour prendre un dernier gros contrat à l'Atlético Madrid, au Napoli. Parce qu'il sait très bien que... Dernièrement, il y a des rumeurs de contact entre l'entourage de Cavani et l'Atlético. Mais sinon, avant, c'était plutôt aller partir à Miami dans le club de David Beckham. Ou ailleurs, mais en tout cas, partir libre pour avoir un gros, gros contrat. Ça, c'est le joueur. Et encore une fois, moi, je ne lui en veux pas, Cavani, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Très, très bien. Il veut, à 33 ans, prendre un dernier gros contrat. Mais pour moi, quand tu es une légende du club, il faut assumer une belle sortie. Tu parlais de Raoul. Pas faire mieux, je crois. Non, mais... tu peux pas fermer, je suis désolé, mais l'année dernière... De te la fermer autant quand on te manque de respect comme ça, tu peux pas fermer. J'allais y venir. Aujourd'hui, il faut arrêter d'être dans le monde des bisounours. Le football de haut niveau, c'est comme ça. Raoul, Casillas, Totti, Francesco Totti. À 38 ans, hein. Pas quand il enchaîne une saison à 35 buts. Hein. Mais Axel, laisse-le finir. Je lui dis de te laisser finir de la même manière. Je peux te citer 10 ou 15 légendes qui ont été mal gérées. C'est super compliqué et qu'il y en a beaucoup qui ont été mis à la porte petit à petit dans des mauvaises conditions. On peut te faire une mort subite si tu veux. Oh, top. Et, je, et,
Mais Axel, trouve une légende au top qui se fait gérer comme ça. Excuse-moi, Excuse-moi, tu me donneras ta télé, moi. Tu me donneras ta télé si tu trouves Cavani sur ses entrées depuis le début de saison avec le PSG. Non, son match contre Brest. L'année dernière, très bon. Là, il est pas en confiance. Mais l'année dernière, il est blessé toute la deuxième partie de saison. Il a la rue totale. Mais quand il joue, il est bon, Cavani. Mais c'était sur la première partie de saison. Mais en deuxième, les matchs qu'il fait, il est bon. Mais il revient quand même. Cavani, il est blessé. Il est bon, il est pas blessé 6 mois, Cavani. D'accord, bah dis-moi. Il manque 6 matchs. Non, mais on fera la liste. On fera la Ligue. Il en plus, il joue que la moitié des. Enfin, il joue que 21 matchs en Ligue 1. On fera la liste des matchs de Cavani sur la deuxième partie de saison l'année dernière. Et vous me donnerez le chiffre à la fin de l'émission ou s'il y a des sociaux. Parce qu'apparemment, Cavani l'année dernière, il est excellent sur la deuxième partie de saison. Moi, je l'ai pas vu. Maintenant. On a les stats. On va vous montrer. On a les stats de Cavani. Comme ça vous fera un petit débat. Mais on a les stats de Cavani sous Tuchel et sous les autres entraîneurs. Le reste, donc sous Tuchel, il a quand même joué 32 matchs. Il a mis 25 buts, donc ça veut dire que il y a les 10 matchs de cette année, donc ça veut dire qu'il y a un jeu 22 l'année dernière. Et il y a deux buts cette année. Donc 22 combinaisons confondues juste en championnat, ça. C'est 21 championnats. Donc on peut regarder qu'il est du coup décisif. Attends, pardon. Donc là quand même, il a 32 buts en 43 matchs, mais Tuchel il l'aime pas. Donc on est d'accord. Mais il a le droit. Qu'il ne l'aime pas. Il l'aime pas en tant que football. Exactement. Il rentre pas dans son style. Il préfère Icardi et Mbappé. Donc derrière, on m'explique pas que Tuchel, quand il voit qu'une situation ne marche pas, il n'a pas l'intelligence de changer et de voir que parfois. Peut-être qu'un Edinson Cavani pourrait lui faire du bien. Mais en fait, qu'est-ce que tu préconises ? Tu veux quoi ? Parce que demain, en fait, le problème des gens comme toi, Axel, qui ont ton avis, c'est que demain, même quand il va jouer contre Brest, ou même s'il avait joué contre Nantes. Caricature. Je sais où tu vas partir. Non, mais vous allez dire, c'est pas suffisant. Pourquoi il joue ces matchs-là ? Caricature. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que je te pose la question. J'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que tu veux pour Cavani ? Qu'est-ce que je veux pour Cavani ? Une concurrence équitable. Exactement, comme peut l'avoir Icardi, Di Maria. Le faire rentrer, tu vois, t'as Icardi, ouais. Di Maria, Neymar. Ouais. Quand Icardi il est bon, si Tuchel préfère Icardi, Icardi le met sur le terrain, il est bon, il enchaîne les matchs. Mais quand il est mauvais, tu mets une Cavani. Il y a forcément une hiérarchie. Donc tu mets qui mais, en 1 bah, en 1, je mets, c'est Tuchel qui met celui qui veut en 1. Mais tu ne peux pas me dire, moi personnellement, moi, donc là c'est mon choix à moi. Moi je joue avec Cavani. Et je joue avec Di Maria et je joue avec Mbappé. Pour moi, Neymar, il va sur le banc. Voilà, mais après, ça, c'est pour moi. C'est pour moi. Et si demain, il me fait le match d'hier et qu'il veut pas lâcher son double pivot, Marquinhos, Gay, mais Di Maria peut complètement jouer à la place de Draxler. Il jouera complètement. Il m'a dit mon avis à moi. Alors, je dis mon avis à moi. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Si hier, il met Draxler, est-ce que tu es d'accord avec moi juste là-dessus? Et après, on finit. Hier, il met Draxler au milieu de terrain, il le fait rentrer, alors qu'il est dans une pire situation de Cavani au niveau des blessures. Au niveau de la forme, etc. Pourtant, il met Draxler, il est Gay, Marquinhos, Draxler. T'es pas d'accord avec moi que Di Maria qui descend à la place de Draxler et Cavani que tu fais rentrer en pointe avec Neymar et Mbappé, c'est possible, non, pour donner une concurrence loyale? Et si à la suite de ça, il fait un mauvais match, alors je te dirais, mais Cavani, Axel, il est pas bon, donc il joue pas. Axel, mais c'est pas le cas. Axel, il veut faire jouer Mbappé en 9. Il veut l'essayer. Les concurrents de Cavani s'appellent Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Donc l'année dernière, il n'a jamais fait de système dans sa vie où il y avait Neymar en soutien de deux attaquants. Ça n'est jamais arrivé. Mais si, alors pourquoi il le fait pas? Mais parce que sur Nantes, parce qu'il ne l'aime pas. Mais qu'on me dise pas qu'il l'aime pas, c'est son droit, mais qu'on me dise pas qu'il est équitable et bien géré. Non, mais moi ce que je comprends pas, c'est qu'encore une fois, et c'est pour ça que je voulais poser la question sur ce que tu voulais du Paris Saint-Germain, et j'aimerais savoir sur quel fond. Et encore une fois, je parle de terrain, bien entendu, je ne me parle pas de sur quel fond tactique, en termes d'équilibre, en termes de talent, m'expliques que Cavani doit jouer au poste de numéro 9 et que Neymar doit sortir. Et la deuxième chose, c'est que comment tu peux m'expliquer que Cavani n'a pas eu sa chance ou que Tuchel doit le mettre titulaire alors qu'il a joué il y a deux matchs 80 minutes en Ligue 1 contre Brest et qu'il n'a pas été bon? Il y a deux minutes, tu me dis, Walid, si Tuchel... Il l'a mis sur le banc contre le Real et il l'a mis sur le banc après. Tu m'as dit, si Tuchel
titularise Cavani et qu'il est pas bon, je te dis ok Walid. Mais c'est ce qu'il a fait. Mbappé, pas bon. Mbappé, dans quelle configuration tu le mets? Laisse-moi terminer. Quand Mbappé. Heureusement qu'on a dit sans mauvaise foi. Non mais quand même, je suis pas du tout de mauvaise foi. Moi, en tout cas, si, sincèrement, si je le suis, je comprends donc, pas. Cavani, il a le même traitement qu'Icardi depuis le début de l'année. Mais Icardi, on le traite pareil. Mais Cavani n'est plus blessé. Pourtant, on traite les deux pareil. Non, mais en fait, le problème, c'est bien sûr, et c'est pas normal. Normalement, Cavani doit arriver avec de l'avance. Et Icardi met 4 buts en Ligue 1 et il passe devant une légende du club. Mais non, mais après la série d'Icardi, qu'est-ce que t'expliques à Icardi pour le sortir et dire je remets Cavani dans ce cas-là? Mais contre, si le Real, ton raisonnement. Contre le Real, si je suis mon raisonnement, mais bah t'es dégueulasse pendant 60 minutes, bah Cavani il rentre et il montre ce qu'il peut faire. Et s'il est dégueulasse aussi, bah je reviens au point zéro. Il a préféré mettre Mbappé en match. Il a préféré mettre. Encore une fois, il faut que tu te mettes dans la tête que Cavani est numéro 3 dans la hiérarchie. J'ai compris ça. Je l'ai vu ça. Mais je suis en train de dire que c'est pas normal. Je suis pas en train de dire que j'ai pas vu. Mais contre le Real Madrid, 60 minutes Icardi où il est pas bon, qu'est-ce qu'il fait? Il met Mbappé au poste de numéro 9, qui est le numéro 2 dans sa tête. Quoi? Et le PSG fait deux partout. La question... Donc ça veut dire que. Non, mais... toi qui parles de contenu et de résultats, c'est mieux dans le jeu? Mais je parle. C'est... Enfin, c'est mieux, ça va mieux, c'est cool ce qui se passe Axel, en deuxième mi-temps. Axel, je parle de la logique de Thomas Tuchel. La logique de Tuchel, c'est Neymar et Mbappé, il faut qu'ils soient contents. Mais tu veux, en fait, tu veux pas comprendre par rapport à ça. C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, tu as un coach qui commence la saison et qui n'arrive pas. Non, avec deux joueurs qui partent. Dans la hiérarchie, un Walid, et deux. Walid, ce que tu ne veux pas comprendre, c'est que tu me poses une première question sur la tactique par rapport à Cavani. Oui, Cavani t'apporte des choses qu'aucun des autres attaquants de l'effectif du PSG ne peut t'apporter, au niveau du nombre d'appels, au niveau de l'agressivité, au niveau de l'intensité. Mais Cavani, il va peut-être te donner une dimension technique pour combiner avec Neymar et Mbappé que peut pas t'apporter Cavani. Mais Cavani, il va t'apporter une usure, un pressing, une multitude d'appels, énormément de choses sur lesquelles. Parce que Cavani et Mbappé, au niveau intensité, c'est la même chose. Cavani et Mbappé, au niveau intensité, agressivité et niaque, au niveau peser sur une défense, la fatiguer, c'est la même chose. C'est des attaquants complètement différents. Non, mais attends, Axel, on a le droit de préférer un joueur qui est On a le droit de préférer un joueur qui est dans la surface, qui touche 14-15 ballons, mais qui a une Tu peux préférer un joueur, mais à partir du moment où tu vois que sur certaines situations ça ne fonctionne pas, et l'intelligence de ne pas t'enfermer dans tes idées, échange. Non, c'est pas ce qu'il fait. Si, mais il met Mbappé. Ça tourne un petit peu en rond, on a compris vos idées, et sur le chat, là encore, il y a un peu de tout. Il y a pas mal de supporters et de socios qui disent que Cavani devrait jouer. Il y en a d'autres supporters qui disent que Cavani devrait être mis sur le banc. Je vais revenir à la deuxième question. Qui devrait avoir concurrence loyale. Qui devrait avoir sa chance. Mais si ça tenait qu'à toi, il devrait jouer. Non, pas à moi, oui. Oui, mais ça, après, pas moi, je suis pas Tuchel. Moi, si demain, il y a pareil équitable, Tuchel, il fait les choses bien, je dirais qu'il fait. Anthony, t'es... Leonardo, t'es une communication entre Leonardo et Thomas Tuchel. Que fais-tu d'Edinson Cavani? Son cas, comment essayes-tu de le gérer au maximum? Moi, pour être très honnête, c'est comme un peu, je le dis un peu depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je vais faire jouer le meilleur, celui qui est le plus performant et celui qui marque finalement le plus de buts, parce que c'est ce que je vais demander à mon neuf en premier lieu. Alors effectivement, après, tu as le côté défensif, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais en tout cas, effectivement, je mets le meilleur. Mais je pense aussi que, et là où je rejoins un petit peu Axel, c'est... Effectivement, je pense qu'il pourrait jouer un peu plus de matchs en titulaire, et c'est pas parce qu'effectivement il a raté. Il va le faire, Anthony. Mais ça, on sait pas encore, c'est long. Pour l'instant, parce que il aura ses matchs. Non, parce que honnêtement, tu vois, depuis qu'il est revenu, il y a au moins 6 matchs, il a joué 14 minutes, 17 minutes, 20 minutes. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, à part Brest, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je vais être un peu tatillon, mais t'as pas vraiment répondu à la question. Et toi, que fais-tu quelle solution penses-tu être la bonne autour de lui? Et tu dis, je le mets titulaire par-ci par-là de temps en temps. Oui, c'est ce que j'étais en train de te dire. C'est qu'au final, moi effectivement, je mets Icardi parce que t'as une continuité. Et effectivement, si tu comptes le garder, lever son option d'achat et le garder, il faut installer une certaine complémentarité avec ton attaque. Mais moi, je lui donne quand même effectivement des matchs de Ligue 1 où il va pouvoir effectivement sortir du club. Anthony, tu le vends en janvier. Si c'est pour l'utiliser comme ça, Cavani, autant arrêter les débats, les conneries, mais etc. Tu le vends, on n'en parle plus. Et au moins, t'as Icardi, il est là. Mais si c'est que moi, je le vends quand j'achète Icardi déjà. Mais encore une fois, on expliquait tout à l'heure qu'il voulait pas partir. Il partira pas en janvier. Et c'est pour ça. Je sais, il a la fin de son contrat. Mais non, mais. C'est impossible. Rien n'est impossible. Je me suis posé la question, si je suis Leonardo, mon rêve.
là, oui, bah... c'est qu'ils partent en janvier. Comme oui, ça, il n'y a personne qui me fait chier, excuse-moi. Avec non, mais on parle de quelque chose de possible. Mais moi, oui, pour répondre à ta question, moi, je lui donne des matchs de Ligue 1 pour effectivement qu'il marque encore quelques buts, qu'il dise adieu aux supporters. C'est possible, on l'a vu avec Sanchez quand il part à Manchester. On l'a vu, il y a des joueurs qui partent à 6 mois de la fin de leur contrat. Le club veut payer moins cher. Parce qu'ils prolongent dans la. Non, mais là, non, pas forcément. Le club, ça arrive souvent. Non, mais ça arrive souvent à 6 mois. Tu sais qu'il va y avoir une concurrence énorme sur le joueur, c'est peut-être pas le cas de Cavani. Donc, du coup, 6 mois avant, le club accepte de payer 10 millions d'euros pour pouvoir faire signer le contrat. Non, mais il a 33 ans, c'est pas vrai. Je sais pas, ce sera 5 millions, j'en sais rien. Ce que je te dis, c'est que si je suis Leonardo, j'essaie de trouver une possibilité. Une porte de sortie immédiate. Pour pas garder ce truc-là. Pour pas garder les supporters, comme l'a dit Walid, les supporters qui rentrent et qui font Edinson Cavani et qui chantent quand Neymar il sort, il y en a 2-3 qui le sifflent au penalty. Ça aide pas. Tu t'appelles Icardi. Mais pareil. Ça, c'est pas le problème. Ça aide pas. Axel qui se fasse siffler sur un penalty. C'est un problème. C'est un problème qui est créé indirectement par le cas Cavani. Non, mais si, dans ce cas-là, en fait, Cavani. Si Cavani n'est plus là, je vois même les supporters faire chanter Edinson Cavani. Tu vois non, mais Cavani, en fait, c'est le nouveau Choupo-Moting, quoi, en fait. Non, pas du tout. C'est l'idole du parc. Non, mais donc c'est un mec aujourd'hui, quand il rentre, les supporters parisiens vont vouloir dire et exprimer, entre guillemets, leur amour avec Cavani. S'il est plus là, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est l'idole du parc voilà. Aujourd'hui. C'est ce que je dis. Excuse-moi, mais comme je disais tout à l'heure, mais d'entendre des. Alors qu'il va rentrer et même après, en fait, t'as l'impression que c'est de la pitié, quoi. C'est Cavani. Non, c'est pas de la pitié, mais c'est une incompréhension de la part de certaines personnes. Alors qu'à côté de ça, comme on le disait tout à l'heure, t'as Icardi qui marque à tous les matchs. Mais personne n'a sifflé Icardi. Bah non, mais quel message. Ça aurait été complètement injuste. Mais dans ce cas-là, c'est pas bien non plus pour Icardi. Alors pourquoi on ne tente pas le nom d'Icardi quand il rentre? Mais non, c'est pas cette question-là. Icardi n'a pas. Il a paralysé le même. Mais oui, il a pas le choix au PSG. C'est normal. Bien sûr, mais il est aussi performant. Je comprends pas où tu veux en venir du tout. Non, mais parce que moi, je suis pas d'accord que si t'enlèves Cavani en janvier de l'équipe, ça enlève les problèmes Cavani. Pas tous en même temps, parce que vous avez tendance à vous parler l'un sur l'autre. Je comprends pas, en fait. Je comprends en quoi t'es pas d'accord avec ça. C'est que déjà, je le vois pas partir en janvier, je ne sais pas. Ça, c'est un autre débat. Et Leonardo, t'essayes de faire ça. Laisse parler, Anthony. Je le vois pas partir. Et effectivement, moi, je te dis, je l'installe. Moi, je suis d'accord avec toi sur une part, sur le fait que tu ne peux pas le jeter aux oubliettes. Là-dessus, on est d'accord. Mais il y a aussi une manière de le gérer où tu peux pas te dire parce que Icardi a fait un mauvais match là contre Madrid. Et ben Icardi il sort. Et c'est Cavani qui prend. Pourtant, parce que Icardi il a fait 4 bons matchs, Cavani qui en a fait 45, un peu plus que 4. C'est-à-dire qu'en plus tu vas installer bons matchs. Non mais tu vas installer cette épée de Damoclès sur tes 3 joueurs où ils vont se dire oh là là, faut pas que je me rate parce que dans le contenu. Dans le contenu. Oui non mais parce que je pense que tu vas répéter un truc que tu as déjà dit. Je veux juste dire un truc, c'est juste que parce que Walid aime beaucoup mettre l'accent sur le contenu et sur ce que Cavani crée. Excusez-moi de penser que Icardi il met des buts, mais dans le contenu, il y a des matchs. Mais vous n'allez pas m'expliquer Cavani, que ce qu'il fait, c'est nettement supérieur que ce que fait Cavani. Mais Cavani, c'est Firmino. Et Icardi, c'est Firmino. Bah non. Bah alors voilà. Alors je comprends pas pourquoi il y en a un. Met des buts, il a le droit à 4 matchs, et l'autre, il met des buts, il fait 4 buts. Pour moi, derrière, hop, il joue 8 matchs d'affilée. Encore une fois, j'adore Cavani. C'est pas juste. Aucun là-dessus, la concurrence n'est pas loyale. Je trouve qu'Icardi est plus efficace que Cavani. C'est un joueur qui est plus efficace que Cavani. Aujourd'hui, à l'instant T, un joueur qui a. À l'instant T, c'est sûr et certain. À l'instant T, je pense que même Jean-Kevin Augustin, vu la confiance qu'a Cavani dans la tête, même Jean-Kevin Augustin est peut-être plus efficace que Cavani. Un joueur qui a 26 ans, je peux même prendre sur la dernière année, un joueur qui a 26 ans et un autre qui a 33 ans. Ça n'a rien à voir. Non, mais et c'est complètement normal. Ça n'a rien à voir avec l'instant T. Hein, et c'est complètement normal. Moi, je trouve que les profils sont pas à des années, lumière. Ce ne sont pas à des années-lumière. Et pour moi, je préfère Icardi à l'instant T. Alors, simplement. Voilà pour les avis de Walid, les avis d'Axel, les avis d'Anthony. Vous pouvez nous donner votre avis, les socios, dans les commentaires. Que feriez-vous si vous étiez le board du Paris Saint-Germain? Que faire d'Edinson Cavani? Donnez-nous vos arguments. Est-ce que vous le faites jouer? Est-ce que vous le faites partir en janvier? Est-ce que vous lui donnez quelques bouts de match comme c'est un peu fait en ce moment et on lui prépare sa sortie pour la fin de saison prochaine? Donnez-nous votre vision du cas, du malaise Edinson Cavani. On va s'adoucir un petit peu. On va s'adoucir avec parce qu'il y a quand même une dernière partie d'émission à faire. Sur un match du soir, celui de Arsenal, la défaite des Gunners face à Brighton à l'Emirates Stadium, 2-1. On va voir l'affiche de ce match, l'ouverture du score, elle est pour Brighton, un but de Webster qu'on a tous découvert aujourd'hui, égalisation d'Alexandre Lacazette à la 50e minute, Arsenal pousse, Arsenal n'y arrive pas, Neil Maupay marque le but du 2-1 pour Brighton. C'est dans la continuité de la fin de Emery, du début de Ljungberg.
C'est pas beau ce qu'on voit à Arsenal. Ouais, c'est honteux, ouais. C'est catastrophique. On peut utiliser tous les termes possibles. Ce qu'on a vu ce soir à l'Emirates, sincèrement, j'aurais pas aimé être un supporter dans le stade. Parce que se faire balader par Brighton pendant des phases de jeu qui ont duré 5, 6, 7 minutes dans un no man's land au milieu de terrain, c'est ce qu'on a vu sur la rencontre. On a vu une équipe d'Arsenal sans organisation, désorganisée, sans idée de jeu précise, avec un système de jeu qui a été très très difficile à lire pour moi, avec mes petits yeux d'observateur. Pendant 20-25 minutes, je ne savais pas ce qu'était le système. Un 4-4 de losange. On l'a mis comme ça, alors on l'a mis comme ça, ça pouvait s'apparenter aussi. J'ai pas vu un 4-3-3 avec Ozil sur un côté, Aubameyang de l'autre. Moi, j'ai vu Ozil sur un côté pendant très très longtemps. Alors, je ne sais pas si Freddy Lundberg voulait ou voyait un Robert Pires d'antan ou un Marco Vermaers en Ozil, mais ça m'a piqué les yeux. Je ne sais pas ce qu'il a avec Ozil sur deux matchs. Apparemment, il voulait relancer Ozil. Ce soir, il fait 90 minutes. Il n'a pas la capacité physique aujourd'hui nécessaire pour jouer 90 minutes dans un match de Première Ligue avec cette intensité. Et on l'a encore vu, j'ai pas compris ses choix, j'ai pas compris sa composition d'équipe. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Je pense, j'ai pas envie d'être dur avec Freddy Lundberg parce qu'il est un peu parachuté. Mais vivement que Arsenal trouve un coach, parce que sincèrement, ce soir, j'ai pas envie d'être dur, hein. Mais c'était très, 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 très compliqué pour Arsenal. Et ce qu'on a vu dans le contenu, c'était horrible. On se posera la question de savoir si Freddy Lundberg est juste un intérimaire On va vraiment se poser la question. J'ai l'impression que la question se pose. Vu le nombre de rumeurs qu'il y a sur les potentiels contacts entre le board d'Arsenal et d'éventuels coachs. Des rumeurs qui sont assez nulles, en fait. Il n'y en a pas, il n'y en a quasiment pas. On peut se poser la question de savoir si Freddy Lundberg ne va pas rester un peu plus longtemps qu'on ne le pense. Ah, mais là, aujourd'hui, il y a des choix qui sont un peu spéciaux. On a parlé de Mesut Ozil, le choix de Willock, il n'est pas non plus extraordinaire. D'ailleurs, il sort à la mi-temps. Ça donne une bouillie de football, Anthony, avec peu d'idées et peu de réalisation, peu de liens entre chaque ligne. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de choix, en fait. C'est du Emery réchauffé avec une organisation inexistante. Et on a essayé de retrouver, effectivement, alors à voir si c'est vraiment un 4-4-2, mais parce que moi, j'ai aussi beaucoup vu quand même Aubameyang très sur la droite pendant la plupart du match. Non, pour moi, c'est un 4-2-3-1, ouais, ou un 4-3-3 même. Ozil Aubameyang sur les côtés, Willock en 10. 4-2-3-1 pour moi. Ouais, plutôt 4-2-3-1 avec Torreira, Xhaka en pivot et le reste offensivement. Mais, voilà, les positions moyennes, hein, c'est absolument rien. Il n'y a pas vraiment de cohérence. Ça veut rien dire. Et puis, en fait, la seule technique que moi j'ai vu, comme disait avec Walid, avec mes petits observateurs, c'est qu'on a beaucoup centré dans des zones moyennes ou voilà, des centres de qualité moyenne, et ce qui n'a pas apporté beaucoup de danger. Et moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est le milieu de terrain. Alors Xhaka, j'ai trouvé qu'il était bien rentré dans son match, parce qu'avec ce qui s'était passé, etc., avec les supporters, je me suis dit, il essaye de se racheter, il était bien. Et encore, il y a beaucoup de déchets. Oui, c'est pour ça que je te parle du début de match, je l'ai trouvé, tu vois, dans les intentions, plutôt intéressant. Mais après, ça s'est éteint. Torreira, c'est son jumeau qui joue par rapport à celui qui était arrivé quand il à son arrivée, où il faisait des matchs énormes, et aujourd'hui Torreira, où il était bon, ouais, quand il est arrivé, moi je trouvais bon quand il est arrivé. C'était le moins pire, moi. Il y en a beaucoup des moins pires, alors. Ouais, mais non, mais là franchement, Torreira, non, mais c'est même pas qu'aujourd'hui, moi je te parle de ouais, le match où il s'est fait sa place par Guendouzi. Effectivement, et déjà, je comprends pas aussi pourquoi Guendouzi n'est pas titulaire. Apparemment, il avait un problème. Guendouzi, c'est rotation. Enfin, ce que disait le. Ouais. Donc, c'est pas une blessure. Non, ok. Après, okay, on est sur une période où il va y avoir beaucoup de matchs à la suite. Il y avait trois matchs. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi. Arsenal n'est pas dans un état d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin. Il faut faire une rotation. Il y a vraiment besoin. C'est vraiment le moment pour faire une rotation. C'est pour ça que moi, je reviens sur Guendouzi. Ce que je me dis, il aurait quand même pu se dire, je vais y aller avec toutes mes forces vives, parce qu'on est sur 8 matchs sans victoire. Il faut qu'on relève la tête. Peu importe la manière, il faut qu'on gagne. Et aujourd'hui, tu sors de l'Emirates dans un match. Mais le truc, c'est que première mi-temps, elle est catastrophique, il n'y a même pas de mots. Bellerin, il revient, il a la rue totale. David Luiz, c'est plus du tout le joueur que c'était avant. On peut remarquer sur énormément d'interventions où il n'est pas du tout serein, il manque d'agressivité. Il se prend de la tête par Nil Mopé. Et puis sur Nil Mopé qui lui met la pression, il y a 10 mètres, il met la balle en touche. Joe Willock. Alors je sais pas si c'est un peu le Hudson Odoi d'Arsenal, ou si vraiment il faut lui mettre autant de matchs pour s'apercevoir qu'il est un peu juste.
pour l'instant, en tout cas. Il est un peu juste, c'est moindre des choses. J'aime bien comment il amène ça. Il mais c'est vrai, juste. Il est un peu juste, Willock. Parce que d'habitude, il est plus. Beaucoup... En fait, moi, je m'attendais vraiment à un truc où il sort là. Parce que d'habitude, il sort la mitrailleuse. Là, le un peu juste, mais, tu vois. J'ai Willock, mais si tu veux savoir, je trouve que. Il y a un peu d'analyse. Avec cette intonation, il est un peu juste, je trouve ça encore plus sévère. C'est un gros naze, quoi. C'est vrai que t'as raison. Il est compliqué, il y a des occasions où il est là parce qu'il est souvent bien positionné. Non, mais c'est vrai qu'il est dans l'axe, il est à droite, à gauche, il fait souvent le mauvais choix. On l'a vu avec Aubameyang en première mi-temps, un moment où ils s'entendent pas sur les appels. Aubameyang qui est un peu le seul joueur un peu remuant devant. Lacazette qui met un but avec un peu de chance et qui n'a plus encore le rayonnement qu'il avait il y a quelques mois. Jeu, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. C'est compliqué. Il n'est pas aidé, mais. Pour Xhaka, bon, Torreira, bon, visiblement, vous n'êtes pas d'accord, mais en vrai, quand je vous dis que c'est le moins pire, c'est pas forcément reluisant quoi, non plus. Donc voilà, c'est compliqué. Tu dis pas le meilleur, tu dis moins pire. Voilà, c'est ça. Mentalement, c'est une catastrophe, on le voit. Tactiquement, Ljungberg ne fait pas forcément les choses qu'ils font pour gérer un intérim comme il devrait. Et ça se voit sur le terrain, ils sont perdus. En deuxième mi-temps, il y a un peu d'amour propre. Il y a les sifflets de l'Emirates qui, je pense, les font un peu. Voilà, la rentrée du club qui fait du bien. C'est un peu mieux en deuxième mi-temps. Mais tu prends encore ce but comme si Brighton, c'était insurmontable. Tu prends un but comme ça sur une tête ou un duel que tu vas gagner de nulle part, alors qu'on était en train de se dire, bon, Arsenal, ils peuvent mettre le 2-1. Ils le prennent, le 2-1, au final, maintenant. Non, mais Brighton, c'est un match à l'anglaise. Ce soir, c'est Tottenham, hein, Brighton, sur le terrain. J'ai l'impression que les mecs, c'est des monstres face à Arsenal. Ayash Abdelkader qui nous dit ça sur le chat, il fait, mais sinon, bien joué Brighton, non? Pourquoi parler d'Arsenal? Il y en a peut-être qui supportent Brighton en France. Pourquoi toujours débattre sur les gros et pas sur les petits clubs qui réussissent à gagner? Juste, pour te donner, on peut avoir une analyse sur plusieurs matchs sur les gros, parce que les gros, on les regarde. Je vais pas te mentir, on ne regarde pas tous les matchs de Brighton et on peut pas te donner peut-être les tendances par rapport à ce qui a été mieux. On s'en fait une dizaine par saison vu qu'on regarde face au gros. On les voit face au gros, quoi. Mais sinon face au. Après, si on parle de Brighton, un super match. Neil Mopé, c'était Kun Agüero aujourd'hui face à David Luiz. Tu rigoles, mais le mec a fait vraiment un super match. Maintenant, encore une fois, tu vois les noms. Moi, je le disais, c'est comme Sheffield. C'est des noms, les mecs, c'est quoi, première... Stephens, exceptionnel. Non, mais c'est première... Non, mais encore une fois, sans se moquer, c'est une première année de League Master sur PES6. C'est-à-dire que, sincèrement... Non, mais Dunks... Sans se moquer, hein. Non, mais encore une fois, Arsenal en est là. C'est-à-dire que, bien entendu, collectivement, ils ont proposé une meilleure qualité... Et ils ont mérité leur ils ont mérité leur victoire, même en deuxième, sincèrement, il y a des moments où ils se trouvent c'est pas l'anglaise, techniquement ils sont supérieurs ça jouait dans les pieds à un moment donné, ça se trouvait entre les lignes sur la première mi-temps, ils ont même la possession. Bien sûr, mais c'est Arsenal qui est pas juste techniquement, c'est Arsenal qui passe pour Brighton ce soir, c'est, il faut le dire. Après, évidemment, t'es obligé de dire que c'est dû au fait qu'Arsenal, surtout sur la première mi-temps, ne met aucune intensité, aucune cohérence, aucune agressivité. Et donc forcément, t'as des joueurs plutôt moyens, voilà, qui vont réussir à aligner des beaux mouvements, des passes, etc. Mais ce soir, Arsenal, dans cet état-là, qui va jouer un Chelsea ou qui va jouer un Tottenham, ils en prennent 4. Aujourd'hui, après, encore une fois, le football, tu sais très bien, demain ils peuvent gagner contre Brighton et demain ils peuvent gagner contre Tottenham parce qu'ils sont galvanisés. Bien sûr, mais ce soir, la pression est cata, elle est écœurante. Il n'y a pas d'autre mot, c'est horrible ce qu'ils nous ont proposé. Clairement, tu prends ligne par ligne, le meilleur joueur c'est Bert Leno. Pour moi aujourd'hui, le meilleur joueur c'est Bert Leno. À la maison, t'as tout dit. Après cette phrase, tu as tout dit. La défense centrale, sincèrement, et encore une fois, je pensais que David Luiz allait apporter un peu de sérénité cette saison. C'est une cata. Les deux, sincèrement, c'est le Mepecho. Quand tu regardes le match, non, mais c'est la folie. Et après, tu te dis que sur le banc, il y a Mustafi, quoi. Non, mais c'est sincèrement, à un moment donné, moi, je veux bien analyser le football, être un peu nuancé. Souvent, je me bats avec Axel en lui disant, ouais, sois un peu plus nuancé, Axel. Mais ce soir, c'est nul. Ce soir, il n'y a pas d'autre mot. Ce soir, c'est de la folie ce qu'on voit sur le terrain. On se regardait avec Romain, je dis, mais waouh! Waouh, c'est costaud alors qu'il y a de la qualité dans l'équipe. T'es jeudi soir, t'as pas fait le plein, mais il y a quand même pas mal de supporters. Tu prends une leçon par Brighton qui est 18e. On va voir le calendrier d'Arsenal parce qu'il va être aussi déterminant. On l'a mis jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au match contre United qui est le 1er janvier. Donc tu joues contre West Ham, qui n'est pas l'équipe la plus en forme du moment. Donc tu vas à West Ham,
c'est des points qu'il faut, ouais, qu'il faut aller prendre. Bon match contre Chelsea quand même. Oui, oui, ouais, mais oui. Bon, ça, après, et puis, West Ham, ils réussissent bien contre Arsenal. Ouais. Bon, après, il y avait un numéro. Beaucoup d'équipes. Après, il y avait un milieu offensif qui est derrière. Ok, on va le revoir le calendrier. Tu vas au Standard. Au Standard, qui est un match où tu n'es pas encore qualifié, donc en Ligue Europa. Donc, il faudra aller au Standard. Ensuite, tu reçois City. Tu vas à Everton, tu vas à Bournemouth où c'est pas facile de jouer. C'est pour le Boxing Day. Et ensuite, tu reçois Chelsea et tu reçois Manchester United. Alors, ça fait un calendrier compliqué. Pour une équipe qui est en crise, c'est encore plus compliqué. La question que je vais vous poser, c'est que tout à l'heure, vous sembliez d'avis de dire que Ljungberg ne doit être qu'un intérimaire et qu'il faut prendre un vrai coach vite. Est-ce qu'avec un calendrier comme ça, Anthony, tu enlèves un coach et tu t'en mets un nouveau? Est-ce que là, en jouant tous les trois jours comme ça, c'est la bonne solution? Alors là, c'est très très compliqué. Après, lui, il a effectivement, si on compare par exemple à Solskjaer, qui était à la base prédestiné à être intérimaire, mais qui a enchaîné lui les bons résultats quand il est arrivé, donc ça a finalement conforté sa place. Là, lui, il arrive dans un fauteuil qui est déjà brûlant, j'ai envie de dire, par le départ d'Emery qui le laisse avec 8 matchs sans victoire, et il va enchaîner un calendrier de malade. Alors, ouais, moi je pense que pour répondre à ta question, je sais pas si effectivement dans le timing c'est le meilleur moment pour aller chercher un nouveau coach. Donc tu gardes Ljungberg toi? Bah franchement, tu vas ramener qui là? Je sais pas, mais Marcelino, des joueurs, il y a des coachs quand même, il y a mieux que Freddy Ljungberg quand même. Surtout quand tu vois que les deux premiers matchs, il arrive même pas à créer un peu cette détonation que tu as, tu sais, quand l'entraîneur se fait virer, t'as toujours une petite période où les joueurs ils essaient de se réveiller, etc. Là c'est pire qu'avec Emery, tu te dis bon, il a même pas réussi à son équipe, elle n'a aucune cohérence sur le papier, t'as même l'impression si le mec il a regardé les matchs depuis le début de l'année, donc tu te dis bon, il était sur le banc, il faut. Ah ouais, mais c'est ça, mais donc comment tu peux aligner une équipe qui a aucune cohérence comme ça? Comment tu peux te faire passer d'un Guendouzi qui est ton seul match? Enfin, tu vois, il n'y a pas de sens, donc je me dis bon, tu commences comme ça. Est-ce que finir non, pour... Alors, je parle de coach, mais il faut aussi parler de joueur, c'est pour ça que, ah, mais que je te dis complètement ça. Complètement d'accord avec toi. C'est parce que le coach il va arriver, ok, mais les joueurs ils vont pas changer. Je vais faire avancer un peu le débat. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que pour l'instant Ljungberg nous a pas montré que c'était un tacticien extraordinaire, que même dans ses choix d'hommes c'était même pendant le match, peut-être un peu, ou ses choix pendant le match, effectivement, que c'était un peu limité, du moins pour le moment, sur les deux matchs qu'on a vus. Il ne faut pas l'enterrer tout de suite. Est-ce que, malgré cela, connaissant le calendrier, c'est judicieux de prendre un nouvel entraîneur là, dans cette période-là? Au contraire, moi, le calendrier me fait très, très peur. Donc Ljungberg, il va jouer face à Mourinho, face à Guardiola, face à Klopp, face à Lampard, et tactiquement, il va répondre avec ce qu'il nous a montré sur les deux matchs. Bon, Mourinho, c'est pas pour tout de suite, mais... Il y a au moins Guardiola et Lampard. Même qui essaie d'apporter une réponse tactique, Attends, encore une fois, avoir un coach compétent, juste un coach, un vrai coach. T'as des coachs. Aujourd'hui, je suis désolé, mais t'es dans le board d'Arsenal, tu vois les deux rencontres là, et le coach qui est sur le banc. Déjà, il ne regarde pas les matchs dans le board d'Arsenal. Le coach qui est sur le banc là, tu te dis, je finis la fin de saison avec lui. Bah, sincèrement, si c'est le cas, si vous me dites qu'on doit faire ça, il n'y a pas de souci, je vous dis ok, aucun problème. Non, mais parce que sincèrement, parce qu'on parle de Mourinho, de Guardiola. Ils ont raté Mourinho. Mais juste, il joue qui lundi, tu m'as dit? West Ham? Je joue West Ham ce week-end. Mais juste Pellegrini, ils vont jouer. Juste Pellegrini, juste ça. Hein. Pellegrini, tactiquement, il va falloir que Ljungberg apporte une réponse. Est-ce qu'il est capable d'apporter cette réponse-là? Moi, je me pose la question. Je suis désolé. Alors oui, bien entendu, on va pas l'enterrer, mais c'est pas te mettre toutes les chances de ton côté quand tu te dis qu'aujourd'hui Arsenal est à 10 points de Chelsea. 10 points de Chelsea. Qui est quatrième. Ils sont à 13 points de Leicester. Aujourd'hui, on est le 6 décembre. Ils sont à 13 points de Leicester. Ils sont à 3 points de Brighton, qui est 7e aussi. Mais... L'état d'urgence, c'est pas un petit mot. On est dans le vrai, là. On y est vraiment dans l'urgence. C'est ce que je te dis, mais parce que Emery, c'est un vrai coach, Emery. Il fallait changer pour toutes les raisons qu'on savait. Je sais, non, on va pas jeter tout ce qu'il a fait. Et donc, ça marchait pas. Mais aujourd'hui, qui dit que, même si effectivement, moi je suis d'accord avec toi, qu'il faut un coach avec une certaine animation et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un finalement de fort aujourd'hui à la tête d'Arsenal. C'est pas Ljungberg qui va. Mais rassure-moi, Anthony, si le board d'Arsenal a viré Emery, c'est parce qu'ils avaient un plan B.
Bah, il est où le plombier alors? Non, mais attendez, excusez-moi. Alors, moi, ce que j'ai. Walid, j'ai pour. Voilà, c'est une. En grosse info. C'est pas une grosse info. C'est pas une grosse info, c'est rien du tout. Parce que. Non, mais je sais juste qu'avant, j'ai une bonne information sur. En Espagne, mais c'était il y a 3 semaines. Arsenal, ils s'étaient mis d'accord avec Mourinho sur les plans contractuels. Ils n'ont pas viré Emery. Et Pochettino s'est fait virer, et en 2 jours, ça s'est fait à Tottenham. Mais d'abord, Mourinho, avant de se mettre d'accord avec Tottenham, il s'était mis d'accord avec Arsenal. Et je pense qu'ils avaient comme plan... Oui, mais quand il vire Emery, il est déjà à Tottenham. Exactement. Mourinho. Donc du coup, derrière, après, il faut se rattraper. Je pense qu'ils ont regardé Allegri, Arteta et Vieira, ou d'autres pistes comme celle-là. Et derrière, ils ont vu qu'avec beaucoup, c'était pas possible. Parce que si c'est ça, c'est de l'incompétence. Et aujourd'hui, mais le problème, c'est que si je dois donner mon avis, qui est pas vraiment un avis, qui est plutôt une habitude, enfin, quand il y a des plans B, l'habitude, c'est que quand il y a un plan A et quand il y a un plan B, une fois que le coach est viré, le successeur est annoncé. Très peu de temps après. Oui, c'est très peu. Je te dis que c'est-à-dire que si c'est ça, s'il y a pas de si là on n'a rien depuis une semaine, s'il y a pas de nouveaux noms et que il y a pas de déclaration qui vont dire Ljungberg est né là que pour le moment, ça va plutôt dans le sens qu'il y a pas de pour prendre l'exemple de Manchester, ils ont mis Solskjaer dans un premier temps en pensant prendre peut-être quelqu'un d'autre ou assurer un intérim. Ça a marché parce que révolution des joueurs, on le voit aujourd'hui, c'est les joueurs qui se sont mis en autogestion pendant 5-6 matchs. Il n'y a que ça à dire, vu qu'on, comme on voit comment ça s'est passé avec Solskjaer derrière, c'est qu'il a apporté entre guillemets cette sorte de nouveauté. Là, ils se sont dit, bon bah, on enlève Emery, les joueurs ils vont se réveiller pour 3, 4, 5 matchs, peut-être jusqu'à la fin de la saison, et après, ou jusqu'à janvier, et après tu prends un entraîneur. Le problème, c'est que là, les joueurs, bah, ils en ont rien à foutre en fait. Et le problème, c'est que tu parles d'incompétence, mais Arsenal, c'est un enchaînement d'incompétences. Ouais, mais sur le mercato d'été, moi j'étais peut-être un peu naïf, mais me disais que ça commençait à être un petit peu. On disait attaque de Ligue des Champions, milieu de terrain de Première Ligue. De Première Ligue, c'était pas non plus. C'est pas mal, Torreira, Guendouzi. Oui, mais c'est pas Ligue des Champions encore. Ceballos. Oui, mais c'est pas encore Ligue des Champions, quoi. Enfin, c'est phase de poule de Ligue des Champions. Et défense de Championship. C'était ce qui se disait. Donc, sur le mercato, après. Comment 8e quart de Ligue des Champions. Torreira, Guendouzi, ils n'ont jamais joué en Ligue des Champions. Oui, on parle de bon sport. Parce qu'ils jouent à Arsenal. Ce qui est sûr, c'est qu'à 80 millions d'euros sur Pepe, quand tu vois la défense qu'ils ont. Bah, au final, tu te dis c'est bien, Pépé, etc. Bon, vu que Pépé ne donne pas satisfaction, t'es obligé de te dire putain, défenseur central. Tu parlais de révolution des joueurs pour Manchester United. Tu vantes la qualité des joueurs d'Arsenal. Il aurait pas dû avoir ça aussi un peu avec. Si, c'est pour ça que je me dis vraiment, c'est vraiment la merde. Là, excuse-moi du mot, mais là, c'est une catastrophe. Comme dit Walid, c'est l'état d'urgence. C'est-à-dire que les joueurs, en autogestion, tu pouvais te dire ils veulent virer Emery, ils l'aiment pas. Mais c'est même pas ça en fait. C'est qu'ils arrivent même pas à jouer correctement. Quand tu vois certaines actions ce soir, tu te dis bah en vrai, ils sentent plus le football, ils ont plus envie de jouer en fait. Non, mais quand donc la réponse c'est qu'il faut quand même un coach qui vient remettre l'église au milieu du village. Un Allegri, il leur faut un coach. Là ça y est, ça suffit. Moi j'adore Emery, j'adore Marcelino, Marcelino c'est différent, mais j'aime bien les coachs qui ont des idées un peu créatives, etc. Arsenal là, ce qu'il leur faut, excuse-moi, c'est une bonne paire de gifles. Il leur faut un entraîneur qui va venir, qui va tenir le truc, qui va leur dire c'est comme ça, comme ça, comme ça, et tu fais ce que tu dois faire. Ouais, parce que ça y est, à un moment faut réveiller les gars. Quoi. En termes de jeu, on a beaucoup critiqué Emery et Wenger, mais je crois que c'est l'avant-dernière année de Wenger. Je sais pas si la caillette était là encore avec le 4-2-3-1, Ozil, Alexis Sanchez, Lacazette, Iwobi sur les gros matchs. Tu voyais quand même des phases de jeu. Emery, la même chose l'année dernière à domicile. Là, ce soir, tu joues Brighton. Mais c'est le néant, je le répète, c'est le néant. Et encore une fois, moi, j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait un électrochoc et virer Emery. Parce que avec les histoires de Chaka, avec ce qui se passait sur le terrain, depuis le début de saison, à l'extérieur et à domicile. Mais si tu ne te retournes pas, si tu n'as pas de solution derrière, c'est du suicide. C'est même plus de l'incompétence, ça va au-delà. Clairement, on parle d'un club qui doit être dans un standing top 4 Première Ligue. Et tu n'as même pas ça. Alors, on va dire, pas la bonne nouvelle, mais ce qui pourrait tomber du ciel pour Arsenal, c'est que Ljungberg, dans la nuit, là, ou dans les 3-4 jours... J'allais dire un vrai truc. Non, mais apparemment, c'est ce que tu me dis. Vu qu'ils n'ont pas de solution, c'est que Ljungberg progresse de jour en jour.
Mais bon, je suis sceptique. Dernier tour de table pour terminer sur Arsenal. Anthony, tu choisirais quel type de coach pour potentiellement remplacer Ljungberg, un tacticien, un type Marcelino, ou un donneur de gifle, type Allegri, sans catégoriser les deux coachs comme de cette manière-là. Moi, comme on l'avait dit dans l'émission où justement Emery s'était fait virer quand on avait fait la spéciale vendredi. Moi, je vois bien effectivement un Marcelino. Alors, quand il va arriver, ça, il faut voir. Mais Marcelino, moi, j'aimerais bien parce qu'effectivement, lui, il a cet amour pour le 4-4-2. Après, apparemment, ils veulent pas un espagnol. Ouais, parce qu'apparemment, moi, ce que j'ai lu, c'est que. Ils veulent pas un entraîneur qui peut faire du football. Non, parce que moi, ce que j'ai lu, sincèrement, c'est qu'ils voulaient quand même un entraîneur. Sam Allardyce. Non, qui connaît la PL. Non, pas qui connaît la PL, mais un entraîneur qui a l'image. Pas d'Arsenal, mais qui peut incarner, et c'est ce qu'ils ont reproché notamment à Emery, c'est qu'ils veulent vraiment un mec qui incarne le club, ils ont senti qu'il y avait quand même une cassure entre Wenger et Emery par rapport à ça, en termes de culture, en termes de choc, etc. Et je suis pas sûr qu'ils repartent sur Marcelino, qui est quand même qui est un excellent coach, mais qui est quand même typé Liga, championnat Liga, etc. Ouais. Et qui n'épouse pas la culture british. T'as pas grand monde dans ce profil-là, parce qu'aujourd'hui Arsenal. T'as les anciens. Mais t'as Vieira, Henry, mais qui vient d'aller à Montréal. Non, mais c'est pour ça que je te dis. Il y a peut-être. Enfin, on me donne de l'oreillette Laurent Blanc, des Laurent Blanc. J'ai l'impression qu'on en parle Laurent Blanc, il y a Laurent Blanc. Mais il n'a jamais joué à Arsenal, Laurent Blanc. Oui, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est compliqué aujourd'hui de trouver l'entraîneur qui irait très bien à Arsenal. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais je suis. J'ai pas d'avis tranché là-dessus, mais moi je suis persuadé, ils l'ont répété, je crois, hier ou avant-hier, que Vieira pourrait être une solution aujourd'hui. Toi, t'es plus pour un donneur de gifles plutôt que pour un tacticien pur ou... C'est pas ça. Moi, j'apprécie Marcelino, j'aime beaucoup. Donc, je me dis pourquoi pas. Maintenant, ce que dit Walid, c'est pas faux, je l'ai lu aussi. Et en même temps, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a sur le marché? Allegri, Marcelino, Allegri, ça pourrait être une bonne solution aussi. Oui. En fait, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, n'importe quel bon entraîneur serait une bonne solution pour Arsenal. Après, lequel sera le mieux? Bah oui, Patrick Vieira a peut-être plus incarné le club, mais Marcelino, il a peut-être plus d'idées, de références au niveau. Donc au final, ça se compense. Un Mikel Arteta, ça pourrait être sympa aussi. Mikel Arteta, qui a travaillé avec Pep Guardiola, qui représente le club, qui en même temps connaît bien la Première Ligue, ça pourrait être parfait aussi. Maintenant, bon. Apparemment, il veut pas partir. Mais il faut prendre quelqu'un. Mais il faut prendre quelqu'un rapidement. Je pense qu'il est pas non plus. Vous parlez d'Ira. Hein. Non, Arteta. Ah, pardon, Arteta. Apparemment, ce que disent les insiders de City, c'est que Guardiola a beaucoup de chances de partir en fin de saison et que c'est Arteta qui prendra la suite. Donc c'est vrai que c'est Arteta pour une joie. Tu passais après Guardiola dans un club, c'est compliqué. Alors que là, Arsenal, tu te dis quoi qu'il j'arrive, je peux pas faire pire. Ouais, mais tu jouais. C'est vrai. Mais t'as un bon agent, toi. C'est vrai. Moi, je peux te dire que si je commence ma carrière de coach, je te prends. T'inquiète. Sincèrement, si tu vas en DH, t'as rien à perdre en DH. Tu peux faire que pire. Mais Axel, quand même, on me propose une CFA. Oui, mais la DH, tu peux quand même monter. Tu sais jamais. Parfois, vaut mieux une bonne DH qu'une mauvaise CFA. Tu monteras avec ta DH en CFA. Exactement. Une bonne DH. En tout cas, c'est beau de penser que je parle DH et CFA. C'est joli. Dites-nous sur le chat et dans les commentaires qui pourrait avoir le profil pour reprendre Arsenal et si vous virerez Ljungberg ou si vous le laisserez, parce que tu parles de la mentalité Arsenal. Ljungberg incarne aussi la mentalité Arsenal. On va terminer en regardant le classement de cette première ligue, parce que on va l'avoir, cette première ligue Arsenal est loin, très loin. Arsenal est plus proche de Brighton, qui est maintenant 13e avec 18 points, qui sont revenus à un point d'Arsenal, et qu'Arsenal n'est proche du top 4. Quoi. Le top 4, c'est Chelsea avec 10 points, et Arsenal qui n'a que 5 points d'avance sur la zone rouge, Everton. Donc, c'est Everton qui a viré son entraîneur aujourd'hui. Qui a viré Marco Silva aujourd'hui. Marco Silva, Arsenal. Marco Silva, ouais, c'est, rebond. C'est David Moyes qui prend l'intérim du côté d'Everton, donc c'est le retour de David Moyes. Ouais. Il aime bien les intérims. Ah oui, c'est devenu un spécialiste.
Merci Walid, merci Anthony, merci Axel. C'était rythmé aujourd'hui. Putain, il y a des moments. Axel, c'est la folie, Axel. Ah ouais, non, mais on l'a pire, écrit. Hein. Tu sais pas, c'est que là, derrière, il y a un débrief. Quand on a écrit, on a dit. Si jamais fini. Il y a Cavani, il y a qui aujourd'hui? Il y a Axel. Il y a Axel. Il y a Walid, il y a Anthony. Ah ouais, ça va être. Ah, mais c'est là, parce qu'il est fort en débat, il est chiant. Ouais, il est costaud. Je vois des moments où tu es un peu en difficulté et sort tu l'as. Mais on est combien? On est 50 000. Oui, parce que c'est ça. Oui, il a réponse à tout à chaque fois. Je suis pas le seul. C'est ça l'info de la soirée. Qu'est-ce qu'on s'en fout Cavani, Arsenal, ça on s'en fout. Le plus important, c'est qu'on est 50 000. C'est qu'on est 50 000 sur le YouTube. Sur le chat, tout à l'heure, on nous demandait mais sur quelle chaîne vous passez? Bon, on passe là, sur la chaîne du Club des 5. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mais non, parce qu'il y en a qui pensent qu'on n'est pas en direct, qu'on est en replay. Tu sais, comme il y a beaucoup de chaînes qui font. Qui prennent les replays des émissions de télé. Il est exactement minuit 48. Exactement, il est minuit 48. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Club des 5. C'est important pour tous ceux qui nous découvrent. On nous demandait si on était en replay aussi. C'est OK qui nous demandait ça tout à l'heure. Oui, on est en replay. C'est dès que le live se termine, l'émission est disponible dans la foulée. Donc si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Club des 5. Vous ferez partie de ceux qui ont été là entre les 50 000 et les 100 000. Parce que maintenant, c'est le prochain objectif. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, en parler à vos potes, à votre famille, à votre chien, n'hésitez pas, s'il a un compte YouTube, on prend. Activez la petite cloche pour savoir à quelle heure on part tous les soirs, et puis balancez-nous des likes, des pouces bleus si vous aimez l'émission, si vous aimez en ce moment, contenu. Ils nous régalent en plus. Hein. Si vous aimez le contenu, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas mal. Ouais. Je crois que la barre de... La moyenne, on n'est pas en dessous de la barre de 10 là en ce moment. Des 10 000 vues par soir, ouais, c'est pas mal. Et je pense que ce soir, on va me dire en régie, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Passez une très très bonne soirée. Juste avant, je vais quand même remercier l'équipe du soir, Farid Hachem à la rédaction en chef de l'émission. Merci à Samuel Zaguri. Qui y avait aujourd'hui avec Samuel Zaguri? Il y avait Maxence Veno et Arthur Veil qui était à l'édition. Merci à Aymen Archan à la technique et la réal, parce que nous, sur la technique et la réal, on ne peut rien. Merci Walid, merci Anthony, merci Axel. Passez une très très bonne soirée, une bonne nuit, et on se donne rendez-vous demain dans le Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.